Allez, on va commencer. Les élus en réunion qui arrivent. Bonsoir à toutes et tous. On commence, Francis, Daniel. Alors, je fais l'appel. Michel Noaille. Présent. Martine Soavi. Présent. Oumar, je pense, va arriver. Il est là. Elle est là, mais il est là. Elsa aussi, ils arrivent. Rénal, il est là. Assa, elle arrive. Frédéric Piau, il a quelques minutes de retard, mais il sera là. Sophia Louz est là. Oscar est présent. Fadila Churfi est présente. Pierrick Gautreau, il arrive. Il était au travail. Italia est présente. Sylvain Renard est présent. Pascal Prigent est présente. Hichem Boukouba, je l'ai vu, il est où? Il était là. Pardon? Il est là, hein. Enfin, en tout cas, je l'ai vu. On va suivre, mais je l'ai croisé à l'instant. Françoise Lopez, elle est là. Frédéric Bourges est présent. Hélène, elle a quelques minutes de retard. Jacques Picard est présent. Sylvie Dayoni a donné son pouvoir à Jacques Picard. Monia Aïssa est présente. Elle arrive aussi. Elle est en réunion aussi. Clotaire Bonzi est présent. Daniel Leguet est présent. Alama est présente. Elle est là, oui, elle est là. Merci. Hervé Jacques est présent. Francis est présent. Claire Jubin, je l'ai vu. Présente. Diana, je ne l'ai pas vue encore. Monia est là, est arrivée. Fatima, Diana a donné son pouvoir, c'est ça? Oui. À qui? À Maxime Podolac, très bien. Fatima, l'Allemand, a donné son pouvoir à Sophia. Maxime devrait arriver du boulot. Hélène est arrivée, Hichem est arrivé. Clémence était malade, je crois, cette semaine, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit là. Benjamin est présent. Jenna, elle est là. Merci, Jenna. Elle est là. Annie, Malit, je la vois. Pascaline, présente. Frédéric Garcia, elle arrive. Sylvie Capron est présente. Jean-François Bell est présent. Éric Breton est présent. Volcan, je lui ai donné un nom, il n'est pas là. Non, mais on va. D'accord. Samira Kedfi est présente. Alexandre Marin va arriver, je pense. Et Régis Caudron a donné son pouvoir à Samira Kedfi. Et Jean-Luc Raymond est présent. Maxime Podolac est arrivé. On le note. Hichem Hélène, tout à fait. Les autres sont arrivent. Donc il y aura des votes où il faudra que des élus se retirent, pas obligé de se lever en fait, mais de ne pas prendre part au vote, moi pour la MIV, Sylvain Renard, je dis ce que je sais, hein, pour l'Olivier, Jacques Picard pour l'Olivier, Hélène Pavamani pour Corbeil-Essonne Environnement, Pierrick Grotteau pour la Pyrotech, Pascaline semble-t-il aussi, Frédéric Garcia pour Mémoine et Patrimoine Vivant, Éric Breton aussi, Samira Kedfi, Alexandre Marin, voilà, tous ceux qui sont dans des associations, veillez bien à... Non pas à vous lever, parce que ça n'a pas de sens, mais à ne pas prendre part au vote. Donc on va commencer l'ordre du jour. Je voulais juste dire un mot, parce que je pense qu'on est tous pareils devant nos écrans de télé quand on les regarde ou la presse, et toujours du mal à commencer dans la période d'un conseil municipal sans avoir en tête ce qui se passe en Ukraine. Si même tous les conflits guerriers ont leur part d'horreur. Mais enfin, sincèrement, ce que vit le peuple ukrainien nous lève le cœur. Et je voulais qu'on ait une pensée ce soir pour ce peuple courageux qui résiste. Voilà. En tout cas, une pensée pour eux ce soir. Donc voilà, je vous propose donc qu'on adopte... Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu du conseil municipal? Monsieur Bell, allez-y. Alors, sur le compte-rendu du dernier conseil, donc je vous ai posé une question écrite que vous avez attribuée au groupe Corbeil-Essonne au cœur. Donc j'aimerais que vous rectifiez en précisant D'accord. bien. D'ailleurs, je suis persuadé que ça ira parfaitement aux inspirateurs du groupe Corbeil-Essonne au cœur qui n'auraient en aucun cas posé cette question.
D'accord. Ok, mais donc on rendra la paternité de la question au bon groupe. Merci. Qui s'abstient sur le compte-rendu ? Qui est contre, à part cette... ça va ? Vous abstenez ? Vous ? Monsieur Breton, vous abstenez sur le compte-rendu ou pas ? Vous votez pour ? Je sais pas. Abstention ? Jean-Luc non, voilà. Donc deux groupes s'abstiennent. Tous les autres sont pour. Note l'arrivée de... Merci Frédéric Piot qui est arrivé. Voilà, donc on va commencer donc, les points à l'ordre du jour. Je propose que M. Renard, donc, comme d'habitude, commence le conseil toujours sur les informations sur les décisions que nous avons prises. À vous, M. Renard. Alors il s'agit, comme d'habitude, des informations sur les décisions du maire prises dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le conseil municipal en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. La liste a été annexée comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour à tous. Et à toutes. Oui, une question et puis une petite interrogation, Monsieur Renard. Dans l'objet portant le numéro 14, à quoi correspond la rémunération sur une audience de défense des intérêts de la commune devant le tribunal correctionnel d'Évry? Bon, il semblerait que l'audience a été reportée, mais on va vous répondre. Donc, comme je ne souhaite pas donner de nom, puisque ça concerne à la fois un agent de la ville et une association, et donc un problème judiciaire d'utilisation de subventions. D'accord. Précédent à notre arrivée, je préfère le dire. Mais voilà, donc, puisque ça mettait en cause aussi l'intérêt de la ville est représentée. D'accord. Voilà. Alors, deuxième point, c'est sur la note 19. Juste, je m'interroge sur le fait que pourquoi la ville a besoin de prendre un cabinet d'avocats pour signer une convention, en l'occurrence pas très compliquée, qui est une convention du service culturel. Pourquoi on a besoin de passer par un cabinet d'avocat pour une simple convention de partenariat. C'est parce que, justement, c'est une bonne question et une bonne réponse, c'est que on fait partie de ces municipalités qui pensons que les promoteurs font de l'argent et que... je ne connais pas les antécédents ici, mais enfin, l'argent des promoteurs, dans l'histoire des collectivités, ça peut servir aussi le trop-plein d'argent des promoteurs à des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Et donc, quand ils travaillent sur la ville, on discute avec eux et ils peuvent donner de l'argent en toute légalité aux intérêts d'une commune, et notamment, il s'agit là de la fondation Artouti, qui permet de recevoir des dotations à des fins artistiques et culturelles et donc pour monter ce projet de dotation à la Fondation Artouti, on se fait accompagner pour que ce soit dans les clous juridiques. C'est aussi bête que ça. Voilà. Et d'ailleurs, tout ça est transparent puisque ce qui a permis aussi de financer une partie du beau festival L'Œil Urbain et pour lequel on a particulièrement fait des efforts pour le 10e anniversaire. Voilà.
excusez-moi. Vous parlez bien de du numéro 19, parce que j'ai l'impression que qu'on parle pas de la même chose. Je crois, si, si. Vas-y, Oscar, peut-être une précision. Si, en fait, c'est bien ça. Il y a tout à l'heure, le point 12.1, nous allons approuver la convention de partenariat avec Artuti. Donc oui. On en reparlera, justement, mais c'est bien ça. C'est pour financer, notamment, des expositions de l'œil urbain, notamment l'avenue de William Klein. Et ça se fera tous les ans comme cela, et donc un partenariat avec Artuti, et du coup un conseil juridique pour monter le projet, c'est tout. D'accord, voilà. Mais, monsieur le maire, je crois vraiment que... Oui, je crois vraiment que quand on travaille avec un photographe de renommée internationale, qui est américain, qui a l'habitude de défendre ses intérêts, qui est lui-même entouré de conseils, ce qui est tout à fait normal, et que par ailleurs, on essaye de faire ce que vous faites, c'est-à-dire que ça coûte le moins cher possible à la commune, et qu'on trouve une bonne solution pour financer un événement qui est important pour la commune, et qui, au contraire, fait parler de la commune dans le bon sens, il est normal que nous ayons besoin d'aide pour que les choses se passent correctement du point de vue du droit et correctement aussi du point de vue financier. C'est exactement ça. D'ailleurs, samedi dernier, je note l'arrivée de Pierrick Gautreau, d'Assad Doucouré qui sont là. Il y avait des centaines de personnes ici. Vraiment, c'était un événement. Et je crois qu'on aura une revue de presse, parce que c'est pas fini, comme rarement on a eu, qui fait parler de Corbeil-Essonnes pour l'art et la culture, avec la présence qui était improbable, vu son âge aussi, d'avoir William Klein dans cette salle samedi dernier. Mais voilà, la question méritait sûrement d'être posée. Madame Capron. Oui, monsieur le maire, je voudrais juste revenir sur le point d'avant, sur le vote du dernier conseil municipal. Oui. Vous nous avez fait voter, effectivement, mais vous ne nous avez pas fait voter celui du mois de février, puisqu'au mois de mars, il n'avait pas été voté. Nous l'avons eu seulement là. Et on devait voter les deux aujourd'hui. Donc le conseil municipal du mois de février n'a pas été voté. Ah d'accord. Bah, écoutez, voilà. Donc je voudrais... Voilà. Pas de problème. Très bien. Merci, monsieur le maire. Avec le même vote, j'imagine, si c'est le compte-rendu, c'est ça, l'abstention de vos groupes et le vote pour, là. Merci pour cette rectification. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame Ketfi? Bonsoir, merci. J'ai trois questions, remarques. Hein. La première, il y a plusieurs délibérations qui font mention de la conclusion par vos soins de conventions de mise à disposition de différentes salles. Et bon, ce serait intéressant qu'on puisse avoir le nom des bénéficiaires et le prix d'occupation de ces salles, parce qu'il n'apparaît pas, pour que nous ayons une bonne information des personnes qui puissent bénéficier de ces salles. C'était ma première remarque. La deuxième, vous avez conclu un marché de maintenance et d'assistance informatique dans les écoles pour un montant d'un peu plus de 30 000 euros. Je suis surprise parce qu'il a été décidé de ne conclure ce contrat que pour une durée d'un an, alors que j'imagine que ce besoin est plutôt un besoin permanent de la collectivité. Je pense que l'année prochaine, nous aurons toujours besoin de maintenance, ainsi que les années suivantes. Aussi, ma question est pourquoi n'avoir souscrit ce contrat que pour une seule année? Et cela, je m'interroge, hein, je me dis que ça laisse transparaître des volontés de s'affranchir, en fait, peut-être de la commande publique, pour pouvoir passer des commandes sur des années consécutives, sans avoir à recourir à une mise en concurrence. Et je m'interroge également, du coup, de la... peut-être mauvaise gestion que vous en faites, puisque la mise en concurrence plus ouverte permettrait d'avoir des prix de meilleurs prix pour la commune, en confiant des prestations sur plusieurs années par une mise en concurrence saine sur de nombreux opérateurs économiques. Ma dernière question concerne, comme assez régulièrement, les prestations juridiques, puisque vous avez une nouvelle fois, ce conseil municipal, souscrit 4 marchés de prestations juridiques avec des montants d'honoraires qui sont très élevés, avec jusqu'à 300 euros TTC par de l'heure, notamment pour 2 dossiers, un dossier à 276 euros de l'heure et un à 4200 euros TTC. La moyenne, il faut savoir que la moyenne très haute des honoraires d'avocats sur le secteur est de 180 euros TTC. Moi, j'estime que c'est un gaspillage de l'argent public, d'autant plus que vous le verrez, les dépenses en matière de conseil juridique et de contentieux ont explosé l'année dernière, en 2021, et je pense qu'il devient urgent de pouvoir mettre en concurrence les avocats pour obtenir des tarifs plus abordables pour la commune.
Alors, sur la première question, d'abord, sur, on vous donnera les noms. Il y a des personnes physiques qui demandent des salles pour faire des fêtes. Donc, on vous donnera les noms des personnes. Voilà. On va bientôt redélibérer, je vous le dis, sur l'utilisation des salles dans cette ville. Corbeil-Essonne, j'ai un souvenir. Je crois que Jacques Picard était aussi dans la boucle. Il y a quelques années, c'était bien compliqué de se réunir. Et on nous refusait d'ailleurs systématiquement les salles à nous. Et il a fallu qu'on aille au Conseil d'État pour établir le droit de réunion il y a une vingtaine d'années. Vous retrouverez ça dans la jurisprudence, puisque à chaque fois que l'opposition demandait une salle, il n'y en avait pas. Et du coup, avec des conseils juridiques assez malins, nous avions monté une plainte et nous avons gagné au Conseil d'État une très belle décision qui rétablissait le droit de réunion constitutionnel à Corbeil-Essonne. Ça, c'est le passé. Les dernières années, on avait quasiment, nous, les élus, l'opposition, mais pas simplement, les syndicats, il y avait quasiment plus de salles, la démolition de la papeterie fait qu'on n'avait plus que la salle Carnot pour se réunir, on n'avait pas le droit aux maisons de quartier, on n'avait pas le droit à la MJC, on n'avait pas le droit à même à la maison des associations, c'était compliqué, et on a changé d'air. Et aujourd'hui, le souhait, mais la majorité va retravailler dans les semaines qui viennent, moi je souhaite que, mais on débattra, je donne que mon avis là, c'est pas encore l'avis de la majorité, c'est que quand des citoyens, associés ou pas, en syndicat, en parti ou quoi que ce soit, veulent se réunir pour discuter, moi je suis pour que ce soit gratuit et qu'on ouvre le panel de salles parce que ça participe de la vie démocratique. On a une ville où des salles, il en reste quand même quelques-unes. Il y a les maisons de quartier, il y a la MJC, justement, qui doit être un lieu dédié à ça. Il y a Carnot. Voilà. Et donc, il faut multiplier les endroits où les habitants peuvent se réunir et débattre. Et donc, on fera une délibération. Je pense on proposera que ce sera gratuit. Et puis, il y a besoin de salles dans cette ville qui n'a toujours pas de salle des fêtes. Il y en aura bientôt une. On veut se marier à Corbeil-Essonne. On veut fêter un anniversaire. C'est bien compliqué. Et du coup, les habitants qui ont peu de moyens se tournent vers le privé avec des prix de salle inabordables, et bien souvent en dehors de Corbeil. Et du coup, il est juste qu'on paye, pour le coup, une prestation, parce que c'est du service public de pouvoir se réunir. Il faut nettoyer la salle, etc. Il faut peut-être la garder. Enfin bon. Et donc il y aura un prix, mais abordable pour les Corbeil-Essonnois. Donc ça donnera le lieu, et on définira quelle salle. Aussi, d'accord. Donc voilà, tout ça est un travail qu'on n'a pas encore fait, mais qui est devant nous. Et du coup, ce sera encore plus, transparent, ça l'est aujourd'hui, mais beaucoup plus juste dans la façon d'attribuer les salles. Donc ça, c'est devant nous. Là, si vous voulez, on vous enverra, mais bon, le nom des particuliers qui ont effectivement payé une petite somme pour pouvoir avoir une salle, mais tout ça est complètement transparent. Et d'ailleurs, on sort du Covid, et donc pour l'instant, il y a eu très peu de salles de demander dans les 22 mois depuis que nous sommes là, mais ça, on sort un peu du Covid, j'espère, et donc il y en a plus, et donc c'est pour ça qu'il faut une nouvelle règle. Voilà, ça c'est sur ce point. Le deuxième, Michel Noy, vous répond. Oui, pourquoi un marché d'un an en maintenance et assistance informatique dans les écoles, c'est uniquement parce que les pratiques scolaires en matière d'informatique évoluent très vite. Et donc, ce marché est adapté aux besoins pour l'année présente. Et donc, évidemment, comme ces pratiques évoluent, eh bien, le marché lancé l'an prochain tiendra compte des demandes et des besoins liés aux pratiques évolutives. Voilà. Voilà. Sur les frais d'avocat. Moi, je vous trouve toujours un peu gonflé, quoi. C'est que vous voyez, on récupère une ville où l'ancien maire, on attend le verdict au mois de mai, va sûrement devoir se balader avec un bracelet électronique. Vous voyez, donc on a une histoire judiciaire à Corbeil-Essonne. Quel est le rapport avec les frais ? Eh bien, justement, je vais y venir. J'arrive. Quel rapport ? Voilà, c'est, excusez-moi. Donc on hérite, on est content, hein, d'une ville où. Les entorses au règlement sont multiples dans tous les domaines. Voilà. Et du coup, nous avons été élus par les Corbeil-Essonnois pour établir la République à Corbeil-Essonne. D'abord, quand je m'entretiens régulièrement avec le préfet de l'Essonne, la procureure de l'Essonne, voilà, c'est ces institutions qui représentent la République française nous créditent, la commissaire de police de Corbeil-Essonne nous créditent d'une équipe municipale qui voilà, ils ont lu les journaux, ces gens-là, et ils savent d'où on vient.
eh bien, on a besoin d'avocats à Corbeil-Essonne. Je vais vous dire, j'en avais besoin il y a 25 ans quand j'étais un élu d'opposition, il y a 25 ans. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez, pour gagner le droit de se réunir à Corbeil-Essonne, il a fallu un avocat, et on avait des avocats. Je pense que Jacques en avait, Sylvain en avait, etc. Voilà. Donc on... Eh bien, ben aujourd'hui, on est aux affaires, on rétablit la République. Moi, je m'engage à ce qui est une gestion pendant 6 ans dans les clous de la loi. On a plein de dossiers, mais pour beaucoup qui concernent des individus qui travaillaient à la ville. Certains y travaillent encore. Et nous, on a besoin de se faire conseiller pour savoir comment on fait avec tout ça. Ben voilà. Et donc, c'est votre héritage, Madame Ketfi, à vous aussi. Hein. Vous ne pouvez pas être un coup dedans, un coup dehors. Hein. Non, non, moi, je sais où je suis. N'essayez pas de me remettre à chaque fois où je ne suis pas, Monsieur le maire. Ah bon, c'est bien. Oui, si vous savez moi, où je vous sais êtes, où je suis. C'est déjà ça. D'ailleurs, ma question concernait pas le fait de recourir aux prestations juridiques. Vous en avez parfaitement le droit. Eh bien, ils sont droit. Bons, nos ma avocats. Ma question concerne... Je vais vous en donner une. J'en doute pas un instant, puisque vous venez de perdre, il me semble, au tribunal administratif sur... Sur quoi Pour une personne, sur une décision de personne, me semble-t-il, qui va être réintégrée prochainement dans les équipes. Non, mais d'abord... Me semble-t-il, hein, excusez-moi. Non, mais non. Ma question, elle n'est pas sur le bien fondé du recours, elle est sur le montant. Eh bien, écoutez, on a des bons avocats, parce que les problèmes sont compliqués, et les bons avocats, ça coûte cher, et tant qu'on est dans les clous, on est dans les clous, il n'est pas interdit d'avoir des bons avocats. D'ailleurs, il y en a qui étaient de l'équipe précédente, qui sont bons aussi, et qui ne sont pas donnés, et avec lesquels, je crois que sur le dossier Eiffel, c'est eux qui nous ont accompagnés. Eiffage ? Non, mais le Darblay, c'est qui ? Hein ? Le dossier du Darblay, vous savez, vous nous avez laissé une petite ardoise de près de 3 millions d'euros. Attendez, Madame Ketfi, vous êtes dans l'opposition, dans un groupe qui gérait l'ancienne ville, d'accord ? Vous avez été... élu de Serge Dassault, et vous êtes dans le groupe, voilà. Je n'ai pas été élu de Serge Dassault, voyons. Donc, il a été déclaré inéligible en même temps que vous, en 2008. Je n'ai jamais fait partie de cette équipe. Écoutez, vous êtes assumé, c'est comme ça. Vous n'avez pas honte d'être assis à côté de M. Breton. Bon, ben voilà, mais c'est votre affaire. Mais je n'ai pas de problème à assumer. Bon, et ben, voilà. Vous êtes assis à côté des personnes qui étaient contre vous pendant 10 ans. Eh bien, vous ne pouvez pas quel plaisir on a... Il n'y a pas de sujet, vous n'imaginez pas, Madame Ketfi, quel plaisir nous avons à travailler ensemble tous les jours. Voilà. Et donc, vous avez du plaisir à travailler avec M. Breton. Vous êtes l'équipe de l'ancien maire. C'est votre affaire. Mais assumez-le. Bon, vous nous avez laissé, par exemple, une ardoise de près de 3 millions d'euros sur l'ancien Darblay. On arrive, et il nous réclame, le propriétaire, 3 millions d'euros pour un bâtiment vide, pour lequel l'ancien maire, qui était ici à ma place, je lui avais dit « qu'est-ce que vous voulez faire du Darblay ?» Il dit « je m'en fous ». Voilà. Nous, on arrive, le Darblay, il y a des travaux, va devenir une résidence d'étudiants. Ça nous aura coûté au final que 300 000 euros au lieu de 3. Et il y a un projet, 20 mois après notre arrivée, les travaux commencent. Ben voilà, et ben l'avocat, il a été très bon, très bon. Et ben on le paye. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais je comprends que vous préféreriez, vu là où vous parlez, qu'on ait des mauvais avocats. Je comprends. C'est des conflits Moi, j'ai pas pris d'avocat. Hein. Je sais pas de quoi vous me parlez. Hein. Mais attendez, madame. Ben oui. Je vous ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Bell. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que je trouve ça formidable. Oui. Donc, je parle souvent de vous comme d'un menteur, mais je parle souvent aussi de vous comme un maquilleur, un transformateur de vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous adaptez arguments à votre vision des choses, et c'est assez formidable. Alors, donc, Samira parlait à juste titre du montant des honoraires d'avocats, et de rien d'autre, d'ailleurs. Et donc, ces honoraires d'avocats, bah, vous les connaissez d'autant plus que vous avez fait appel à ces fameux conseils, notamment pour cette histoire de salle à récupérer. Donc, vous connaissez parfaitement le montant normal qu'un avocat doit pratiquer lorsqu'il a un client individuel, et a fortiori lorsqu'il a un client collectif pour lequel il est certain d'avoir une masse d'affaires conséquente. Plus d'affaires veut dire des prix moins élevés. Alors vous dites d'ailleurs tout à l'heure, et ça m'a interpellé, parce que vous disiez que vous avez gardé quelques avocats de la précédente majorité. Donc, je trouve ça très intéressant, parce que je pense d'ailleurs que c'est sur des affaires
qui sont mal emmanchés et que vous continuez à mal emmancher dans la continuité de ce qui arrive. Je pense à la question écrite que j'ai posée l'autre jour et qui doit certainement être celle concernée par ce cabinet. Mais je remarque aussi que vous avez qu'un certain nombre d'avocats qui ont reçu votre bénédiction dans les listes de décisions que vous avez prises, eh bien, sont également des avocats que vous fréquentiez auparavant lorsque vous aviez des affaires en direct contre l'ancien maire ou contre d'autres affaires. Je fais cette remarque. C'est une remarque qui me renvoie à l'actualité, par exemple, mais nous en reparlerons tout à l'heure dans le budget. Merci. Super, merci. Eh bien, écoutez, voilà pour ce premier point. C'est une information, donc je ne suis pas sûr qu'on prend acte du formidable débat qu'on vient d'avoir. Et on va passer au point suivant. On va rentrer. Secrétaire de séance. Bah, écoutez, ce sera Frédéric Bourges. T'es d'accord, Frédéric Bourges, c'était toi la dernière fois ? Ah bon, bah alors, Clotaire, bonzi, alors, secrétaire de séance, d'accord, hein ? Une belle activité ces dernières semaines, confirmée. Voilà, Clotaire de Bonzi, si, tu es d'accord, hein ? Merci. Alors, du coup, on n'allait pas mettre Sylvain Renard et tout le travail qu'il a ce soir, secrétaire de séance, donc il va déjà bien travailler. Merci bien. On va commencer donc avec le compte de gestion, c'est ça ? Oui, alors, comme vous le savez, mes chers collègues, dans la comptabilité M14, on établit d'un côté le compte de gestion et de l'autre côté le compte administratif. Le compte de gestion, il est établi par le receveur municipal et le compte administratif, il est fait par la ville. Donc, il est d'usage chaque année d'approuver ces deux comptes et de constater que les résultats concordent parfaitement. Nous commençons donc par le compte de gestion de l'exercice 2021. Il est donc demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion du budget de la commune établi par Monsieur le receveur municipal. Je ne vous lis pas les nombres, hein, parce que ça ne sert pas à grand-chose de lire les sommes, à moins que vous y teniez. Et donc, y a-t-il des questions sur ce compte de gestion ? Je n'en vois pas. On va donc pouvoir passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Et donc, contre Jean-Luc Raymond et le groupe de M. Breton. Voilà. Qui est pour ? Les autres sont pour. Merci, Sylvain. On continue avec le compte administratif. Alors, comme Monsieur le maire ne peut pas siéger pendant que nous... Enfin, je peux en fait rester, mais je peux pas... La réglementation prévoit... Non, mais je n'ai pas l'intention de te mettre à la porte. J'espère bien. Mais la réglementation... Je demande, là, c'est au service juridique de me dire, mais la réglementation prévoit qu'on nomme un président de séance. Oui. On doit normalement désigner un... Pendant mon absence, parce oui. Que ce sera, je ne sais pas, Martine Soivier. Voilà. Très bien. Alors, donc, je vais vous proposer d'abord qu'on adopte cette disposition, que nous désignions Martine Soivier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, tous les autres. Donc, Martine va présider pour ce point, si vous le voulez bien. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'adopter le compte administratif du budget de l'exercice 2021 de la commune et bien sûr de constater sa concordance avec le compte de gestion du receveur municipal que nous venons de voter. Y a-t-il des questions sur ce point ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, il y a le groupe de M. Bell qui est contre. Et puis, je ne sais pas, M. Raymond, je ne le vois pas, je ne sais pas s'il est oui, contre. Oui, M. Breton. Alors, c'est toute l'opposition, si je voilà, comprends bien. Voilà, très bien. Toute l'opposition est contre. Et qui est pour, j'imagine, tous les autres. Voilà. Donc, le compte administratif est adopté. Très bien. Toujours à toi, Sylvain.
L'affectation. Alors, le point 4.3, il s'agit de l'affectation des résultats du budget primitif 2022, affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 21, budget ville, et l'affectation des résultats de l'exercice 2016, budget annexe eau. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2021, soit 6 990 477 euros et 24 centimes, tel que suit. En section d'investissement pour couvrir le besoin de financement, 4 467 599 euros et 58 centimes. Et en report de la section de fonctionnement, 2 522 877 euros et 66 centimes. De plus, il est proposé d'intégrer les résultats du budget annexe O, puis de les transférer, on dira un mot en présentant le budget tout à l'heure, puis de les transférer à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart pour un total de 642 738 euros et 21 centimes. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Il n'y en a pas. Qui s'abstient ? Qui est contre ? L'ensemble de l'opposition. Voilà. Et qui est pour ? Les autres. On passe donc au budget primitif. Donc je vais peut-être commencer par dire moi quelques mots. Ou comment tu souhaites faire, Sylvain ? Oui, voilà. Alors on va faire les choses en deux parties. Monsieur le maire va faire une introduction, je dirais, typiquement politique. Et puis je ferai ensuite, en utilisant le tableau qui est derrière nous, je ferai une présentation en quelque sorte technique de ce budget. Merci Sylvain. Oui, donc le vote du budget, c'est le moment... un des moments les plus importants, ce n'est pas le seul, mais il marque des choix politiques pour l'année, et donc un moment important. Et je salue d'ailleurs les corbeillers-saunois et corbeillers-saunoises qui nous regardent, plus ceux qui sont dans le public. Et donc, quelques mots, évidemment, à vous dire à cet instant. C'est le troisième budget qu'on vote, nous, ici, mais le deuxième qui est vraiment le nôtre, puisque le premier était quand même l'application de celui de l'équipe précédente. Celui-là, c'est le nôtre. Et nous aurons, a priori, encore 4 budgets à voter avant la fin du mandat, dans 4 ans. Donc nous votons un budget, propose de soumettre au vote un budget qui se donne les moyens, nous croyons en tout cas, de refaire de Corbeil-Essonne, deuxième ville du département de l'Essonne, deuxième ville de l'agglomération Paris-Sud, un territoire où il fait bon vivre. En tout cas, on a été élus pour ça et on essaye tous les jours d'y travailler. Nous le pensons, cette ville revient de loin, à tout point de vue. Et d'ailleurs, souvent, je dis que quand une équipe municipale gagne une élection, c'est pas tant que l'équipe qui se présente était bonne, mais que le désaveu de l'équipe qui était en place... Souvent, on dit ça des élections politiques. Donc on verra à la fin du mandat si on a été bon. Il est encore un peu trop tôt pour en juger. Mais on a hérité, je le disais d'ailleurs, qui justifie nos frais d'avocat, mais pas simplement, hérité d'une ville pas en forme. Je le dis tout de suite, puisque je vous informe qu'on a enfin un nouveau directeur des services techniques qui vient d'arriver. Un cadre de très grande qualité. Qui vient d'arriver, c'était compliqué de le présenter ce soir, je le présenterai au prochain conseil municipal. Par exemple, il a visité hier les ateliers municipaux et il m'a dit qu'il a failli pleurer en arrivant au CTM, tant les ateliers sont dans un état déplorable. Je dis tout d'ailleurs, il m'a même dit, monsieur le maire, vous devriez être prudent parce que on n'est tellement pas dans les clous du respect des règles sanitaires, de sécurité, que s'il y avait un problème, c'est vous pénalement qui en serez responsable. D'ailleurs, je m'en suis entretenu ce matin avec plusieurs employés communaux que j'ai croisés devant chez moi. Et ça montre, aller au CTM,
On serait pervers, on ferait des visites du CTM pour se rendre compte de quel état on a trouvé cette ville. Et donc on revient loin à tout point de vue. Pour autant, ces derniers mois, nous voulons croire celles et ceux qui nous disent de plus en plus souvent que des premiers changements sont perceptibles à Corbeil-Essonne. Cela, par exemple, je disais, après le week-end d'inauguration de l'œil urbain, tous ceux qui, sur les réseaux sociaux ou présents aux expositions, nous ont dit « Tiens, Corbeil redevient une ville culturelle, ça redémarre, il se passe des choses ». J'en profite pour dire là, parce qu'il était dans mon bureau tout à l'heure, il y a le nouveau magazine qui sort aujourd'hui, et vous trouverez à l'intérieur, regardez comme c'est beau, un beau poster signé de notre boxeur Guito, qu'on a reçu encore tout à l'heure. Il était très content, je trouve ça vraiment sympa, ça rappelle les anciens magazines, d'avoir un poster. Et ce formidable gala de boxe, vous étiez quelques-uns de l'opposition, de la majorité, nombreux à y être, près de 1500 personnes au Palais des Sports, une très très bonne ambiance, des gens qui venaient de partout. On renoue avec des grandes compétitions sportives. J'espère que c'est que le début. En plus, il y a eu le Covid, donc pendant près de 2 ans, on a été un peu contraints. Mais ça redémarre. Cela nous encourage, mais sincèrement, je le disais hier avec Michel Nouaille et d'autres élus, on recevait ici des parents d'élèves. Et vu l'état aussi des écoles dans lesquelles on trouve, on a bien conscience que l'essentiel reste à faire. Je disais aux parents hier avec Michel Nouaille, vraiment, vous ne nous entendrez pas dire « on est content de nous, tant il y a de travail dans cette ville ». Pour autant, voilà, quand on nous encourage, on dit « ça commence ». En 22 mois, nous avons pris à bras-le-corps le lancement de la transformation du centre-ville. Ça fait débat ? Eh ben ouais. Eh ben à Corbeil-Essonne, on débat. Et ça ne fait que commencer. Nous passons dans 3 semaines avec Oumar Dramé au comité d'engagement de l'ANRU pour le quartier des Tarterets avec des projets bien plus en phase aujourd'hui que ce que nous avons trouvé en arrivant. Et donc on a pris 22 mois pour discuter avec les habitants des Tarterets, des centaines d'habitants. C'est jamais assez, hein. Mais pour proposer un projet de transformation du quartier plus en phase avec leur attente. Nous avons recréé des liens bien trop distendus ces dernières années, je vous le dis, je le disais tout à l'heure, mais je le redis, avec les services de l'État. J'avais dans mon bureau la semaine dernière le directeur du territoire qui suit de près, évidemment, tous nos projets de transformation du centre-ville. Avec les villes voisines, on s'entretient régulièrement avec les maires de toutes les villes voisines autour de Corbeil. Le département, on en rediscutera, puisque notre collègue François Durouvray suit plusieurs dossiers attentivement de Corbeil-Essonne. Je pense au collège, évidemment, voté à l'unanimité. Ben, j'y étais. Alors, me dites pas non, mais quelle fille. Avec Michel Nouaille, on était au conseil départemental la semaine dernière. À l'unanimité, l'Assemblée départementale a voté, a acté le principe d'un 5e collège à Corbeil-Essonne. À la résidence des Pinsons, et c'est voté à l'unanimité. Voilà. Et plusieurs interventions. D'ailleurs, le président Durouvray a salué la présence de Michel Nouaille et la mienne dans le public de l'Assemblée départementale. Et donc, tout le monde était très content, parce que quand on est au département et qu'on vote un nouveau collège, quel que soit l'endroit, voilà. Et nonobstant nos divergences de point de vue politique avec François Durouvray, eh bien, nous étions très contents ensemble d'acter qu'il y aura un 5e collège à Corbeil-Essonne à l'endroit des Pinsons. Mais d'autres dossiers vont avancer, mais j'espère qu'on peut être dans l'opposition et souhaiter que les projets avancent dans la ville où on habite, hein. Et donc, par exemple, je vous annonce que la future maison de l'Essonne se fera bien à l'ancienne sous-préfecture et l'ancienne DDE. Avec François, nous travaillons main dans la main pour que cette nouvelle maison de l'Essonne voie le jour à Corbeil-Essonne. Ce sera des centaines d'emplois sociaux qui aujourd'hui sont dans des préfabriqués à mon conseil, entre autres, qui viendront dans le centre-ville de Corbeil-Essonne. Donc voilà, on rebosse avec le département. Avec l'agglomération Grand Paris Sud, c'est évident. J'étais
hier encore avec le président de l'agglomération. Et d'ailleurs, je remercie tous les élus du conseil municipal qui siègent à l'aglo, qui essayent de prendre part dans cette grande machine qu'est l'agglomération pour défendre les intérêts de la ville. C'est vrai du CIARS, les liens étaient stoppés avec ce syndicat intercommunal. Je peux vous dire que je travaille régulièrement avec Xavier Dugoin et que des millions d'euros qui étaient passés à la trappe, notamment sur la rivière Essonne, dans le quartier de la Papeterie, vont pouvoir être redépensés dans l'intérêt des habitants sur toute la rivière Essonne, dans le quartier de la Papeterie et de la Nacelle. Le monde économique aussi, avec... on a renoué, c'était vraiment intéressant la semaine dernière. Merci Hichem Boukouba et tous les élus pour ton travail, puisque de nombreuses entreprises corbeil-essonnoises étaient dans cette salle avec des jeunes créateurs d'entreprises, et pas que des jeunes d'ailleurs. Et ce sera un des grands sujets du mandat. On veut retravailler le développement économique de Corbeil-Essonne. Et donc ça aussi, c'est des liens renoués. Les corbeil-essonnois nous créditent aussi de la réussite de nouveaux événements. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Et d'ailleurs, dans le budget qu'on va voter, vous allez les retrouver. Les guinguettes du monde, 4-5 000 personnes autour de la Seine pour faire la fête ensemble, quelles que soient nos origines, nos cultures. La plage urbaine, un succès. 11 000 personnes différentes qui sont passées à la plage urbaine. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, on est là pour ça. Une édition de l'œil urbain, je l'ai dit, réussie, qui va courir évidemment pendant plusieurs mois, et des réunions de concertation. Je crois que depuis que le Covid est levé, jamais on a réuni en si peu de temps autant de centaines d'habitants avec des accords, des désaccords pour penser la ville, le centre-ville, les Tarterets et tant d'autres sujets. Donc, je vous le dis, j'en discute avec beaucoup de journalistes, notre ville refait l'actualité pour des initiatives porteuses d'espoir et un peu moins de faits divers. Ce deuxième budget, donc, a pour ambition de structurer plus encore notre action municipale, à la fois pour mieux répondre aux attentes du quotidien. Voilà, on se pose des questions, on a des débats entre nous, on n'est pas tout le temps d'accord, d'ailleurs, je vous le dis, sur où faut mettre rapidement un coup de propreté, où il faut, même si c'est partout dans la ville... Mais il y a tant à faire que chaque élu veut défendre son quartier, il a bien raison. Le quotidien, c'est aussi le stationnement. Enfin, j'étais très heureux ce matin en sortant de chez moi et de revoir les agents peindre la zone bleue qui arrive dans le centre-ville. Merci Frédéric Piot et les autres. Parce que ça donnait, imaginez, 5 ans qu'il n'y avait plus de stationnement réglementé dans cette ville. Un truc de fou, quoi. Les gens, ils cherchaient à payer dans les parcs-mètres. Ça faisait 5 ans que l'ancienne municipalité n'avait... on se garait comme on pouvait, donc l'anarchie totale. C'est long, mais ça revient. La zone bleue sur la rive droite, la zone bleue dans le centre-ville, qui va permettre de reciviliser les comportements. Ça, c'est le quotidien. Propreté, stationnement, circulation. C'est les bancs. Le domaine, le mobilier urbain, pour que cette ville, on puisse se recroiser, vivre ensemble. Ça, c'est le quotidien. Et puis, il y a les projets du long terme sur lesquels nous sommes mis au travail dès le début. Je pense évidemment à toute la transformation du centre-ville et des quartiers. Mais ce budget, vous allez le voir, il prend en compte 2 sujets majeurs. J'ai discuté encore avec mes collaborateurs tout à l'heure. On pourrait dire 3, 4... Mais 2 sujets majeurs que sont les inégalités sociales et le défi climatique. On disait l'éducation, bien sûr, aussi, la démocratie, mais le monde entier, la France, Corbeil-Essonne, on a devant nous 2 défis majeurs, je disais, faire reculer les insupportables injustices sociales et le défi climatique. Injustice sociale... On le donnera à tout le monde. D'ailleurs, je pense qu'on l'envoie évidemment aussi aux élus de l'opposition. On s'est fait présenter un diagnostic social passionnant sur Corbeil-Essonne. Il fait plusieurs pages, mais il y a des chiffres clés. Je vous les donne parce que, comme les Corbeil-Essonnois nous regardent, c'est quoi Corbeil-Essonne, ville populaire? C'est 5 500 Corbeil-Essonnois qui vivent en situation de quasi-pauvreté. Pas nous qui le disons, c'est l'état de cette ville. 5 500 personnes. Quand on se balade dans la ville, on croise des gens
qui sont en quasi-pauvreté sur des critères sociaux, quoi, chiffrés, c'est-à-dire des gens qui vivent, en gros, avec moins de 1000 euros par mois, quoi. C'est un taux de pauvreté au seuil de 60%. C'est, selon le type des ménages, un nombre de familles monoparentales considérable à Corbeil-Essonne. Souvent des femmes, mais pas que, qui vivent seules avec leurs enfants, et qui représentent, les familles monoparentales, 38% des gens qui sont en taux de pauvreté très important sur la ville. Le niveau, voilà, je pourrais donner, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, par des 30% par des allocataires CAF dont les revenus sont constitués de prestations sociales à hauteur de 50%, c'est 30% des Corbeil-Essonnois. Voilà, donc, nous, notre projet politique, c'est de dire, j'entendais d'ailleurs, c'est un débat national, hein, j'entendais d'autres candidats à la présidentielle porter cette idée, nous, on pense que quand on est pauvre, c'est pas de notre faute. C'est le fruit de parcours de vie. Mais si vous avez rencontré dans votre vie des gens qui disent « j'ai envie d'être pauvre », faut me les présenter. On n'est pas pauvre par choix, quoi. Ça, c'est déjà c'est une idée politique. On a le droit de ne pas la partager, mais c'est la nôtre. Et ben, notre action politique, et vous le verrez dans le budget, c'est de s'attaquer à la pauvreté. L'autre défi majeur, je ne serai pas long, mais nouveau rapport du GIEC, malheureusement, qui sort de façon un peu... trop discrète avec la guerre en Ukraine, avec les présidentielles, mais qui nous disent que on n'aurait plus que 3 ans, donc autant dire qu'il va falloir réfléchir à vivre autrement, pour plus que 3 ans pour redresser la barre du réchauffement climatique sur la planète. Bah, quand on est en responsabilité, on ne peut pas gérer la ville en disant on s'en fout, quoi. J'ai discuté aussi tout à l'heure avec mes collaborateurs, on se disait que aujourd'hui, c'est la question du vivant qu'il faut prendre en compte. La question de notre survie, quoi. Y compris, d'ailleurs, avec les guerres. Ce qui se passe en Ukraine, je le rappelle, hein, 2000 km de chez nous. Hein. Ce qui se passe en Ukraine est aussi la résultante de conflits d'une planète où chacun cherche à survivre avec les enjeux climatiques et une conception du vivant entre les humains fait de concurrence. Ben, nous, notre équipe municipale, elles portent d'autres valeurs. Et donc, on les retrouve évidemment dans le budget. Donc, notre budget, il vise à cela, quoi. Avec, du point de vue des finances publiques, je le dis aussi à celles et ceux qui nous écoutent, très peu de marge de manœuvre. Très peu de marge de manœuvre. Pourquoi ? D'abord, les politiques gouvernementales qui se sont succédées ces 20 dernières années, nous ont baissé les dotations de Corbeil-Essonne. Entendez bien. Alors là, moi, politiquement, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Sarkozy, Hollande, Macron, ils ont tous fait pareil. Et d'ailleurs, réfléchissez à votre vote dimanche prochain, parce que dans les programmes, il y en a qui proposent de continuer à baisser les dotations aux collectivités territoriales. Ce qui fait que nous avons perdu 33 millions d'euros cumulés en moins entre 2012 et 2021. Hein, on a un budget d'à peu près 100 millions, vous allez le voir, Sylvain va nous expliquer ça remarquablement. Eh bien, on a perdu, on a les cumulés, alors qu'on peut penser que nos besoins ont monté, 33 millions d'euros cumulés pour réaliser nos politiques. Et d'ailleurs, c'est incroyable, parce que je vois Madame Ketfi qui dit non, mais même l'ancien maire le disait. Monsieur le maire, c'est compensé en grande partie, donc c'est pas faux. Du tout. Mais non, c'est faux. Non, c'est faux. Bien mais sûr. Pas du tout. Et d'ailleurs, on a gardé les bulletins municipaux de l'équipe précédente. C'était le cas. Vous aviez repéré ces chiffres puisque Monsieur Bechter le disait. On avait une petite différence, c'est qu'il continuait de voter pour des gens qui en rajoutaient, et que nous, on veut voter pour des gens qui arrêtent ça. Mais ce chiffre-là, on l'a pas inventé. Je me rappelle très bien, Monsieur Bechter le donnait ici. Je vous parle pas de la taxe d'habitation, moi. Je vous parle de dotation en moins. D'accord ? Vous vous rappelez, enfin, quand même, la RGPP, la réduction générale des politiques publiques, les transferts de compétences aux départements et aux communes non compensés. Voilà, par exemple, vous savez qu'on a récupéré des routes, nous.
qui n'était pas de la compétence des communes. Les départements ont récupéré des routes nationales, etc. Voilà. Eh bien, on a perdu 33 millions d'euros. On a regardé avec des élus. Ça correspond... Imaginez, hein, il nous faut 17 millions d'euros pour rénover nos écoles. Eh bien, plus 4 gymnases qui nous manquent, ça fait 33 millions, quoi, à peu près. Et c'est très concret, ça. Ben nous, il nous manque cet argent. Et puis, on hérite, mais ça, c'est pas nous qui le disons, c'est tout le monde, même le préfet, de finances publiques locales dégradées. Ça, on arrive avec ça. Une dette cumulée de 119 millions d'euros, 119 millions d'euros cumulés à Corbeil-Essonne, soit 2320 euros de dette par habitant, alors que dans les finances publiques pour des villes du même niveau que Corbeil, la dette, la zone d'alerte, c'est 1300 euros. Nous, on a 2320 euros de dette par habitant. Ben, on fait avec ça. Après, les communes, et là, c'est encore autre chose, ont perdu la maîtrise de la taxe d'habitation. C'est-à-dire que, autant dire que pour manier un budget, il ne nous reste plus que la taxe foncière, nous, les maires et les élus. Pardon ? Ah ben, sincèrement, c'est un débat. Hein. Moi, je suis contre la suppression de la taxe d'habitation. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au bout du bout, d'abord, c'est moins d'argent. L'argent des communes, c'est pour rendre des services aux habitants. D'accord ? Ben, on rend moins de services aux habitants. Et c'est un leurre. Et en plus, la taxe d'habitation, elle est remboursée à l'euro près, mais sur la base de 2017. Donc autant vous dire, en plus, avec l'inflation qui va galoper, qu'on va, bien sûr, mais je veux dire, tous les maires le disent. Hein. C'est pas le maire gauchiste que je suis qui le dit. Tous les maires le disent. Tous les maires. Et donc, moi, je vous l'ai dit, je suis pour l'impôt, mais bien sûr que je suis pour l'impôt. Et je suis même pour que tout le monde paye l'impôt. Mais je suis pour augmenter les salaires et que tout le monde ait les moyens de payer l'impôt. Je vous l'ai dit à Corbeil-Essonne, entre ceux qui ne payent plus l'impôt sur le revenu tellement ils sont pauvres et ceux qui payent plus du tout la taxe d'habitation, il reste plus que ceux qui payent la taxe foncière. Eh bien, ça fabrique, je vous l'ai dit, d'ailleurs, je croyais que Jean-François Bell, on pouvait être d'accord là-dessus, quand on paye plus d'impôts, on est moins citoyen. Ben oui, et vous voyez, on est d'accord là-dessus. Et donc, moi, je suis pour que, vous voyez, c'est moi qui le dis, la notion d'assister, moi, je suis pour des citoyens qui gagnent bien leur vie et qui contribuent aux dépenses de la collectivité. Ça s'appelle la République, vous voyez. Et donc, je suis pour l'impôt, vous voyez. Et donc, il manque aussi, pour Corbeil-Essonne, ayez ça en tête, 1 million d'euros de dotation de l'État, puisqu'on nous compte 5 000 habitants en moins que ce que nous sommes. Voilà. Et on l'a prouvé. Et d'ailleurs, avec notre cabinet et nos services, on va continuer d'aller à la bataille là-dessus pour récupérer l'argent qu'on nous doit. Et puis, vous savez, pour finir, sur cet aspect, quand on a enlevé dans le budget, et là, tous les élus de la majorité le découvrent, hein, puisque nous sommes pour beaucoup des nouveaux élus ici, eh bien, quand on a enlevé dans un budget les dépenses contraintes, le personnel communal, les fluides, les contrats avec les entreprises, la restauration, le nettoyage, le ménage, les marges de manœuvre qui restent pour peser sur un budget, elles sont toutes petites. Et c'est l'honnêteté de dire ça. Eh bien, c'est là où, en fonction des choix qu'on fait, il y a des options politiques différentes selon les équipes politiques. Et donc, nous, par exemple, on a décidé d'en finir avec le clientélisme, puisque là, c'est pas nous qui le disons, c'est tout le monde, à Corbeil-Essonne, ça existait, l'opacité, et de faire de la démocratie, et d'ailleurs, c'est un coût, et moi, je suis très content quand on dépense de l'argent pour la démocratie, le moyen de réussir nos politiques publiques. Je le disais tout à l'heure, moi, j'étais très heureux, il y a un mois, quand il y avait 500 personnes ici, 250 à l'intérieur, 250 dehors, pour discuter des grands moulins de Corbeil. Bah, 500 personnes pour parler d'un projet, c'est génial. 250 au Tarteret, il y a trois mois, parfait. Et donc, la démocratie comme un moyen de ne pas se tromper avec les habitants. Bah, ça, c'est un choix. Et puis, la richesse, je crois, nous croyons, est à trouver dans l'humain des habitants, de leur association et du personnel communal. Vous voyez, un des leviers, du coup, on l'avait dit dans la campagne électorale, que un des leviers, ça serait de faire mieux avec le personnel communal. Et d'ailleurs, je suis très content que commencent les assises, les rencontres du personnel communal.
ça a un coût. Hein, on a passé un marché et on fait des assises. Et les plus de 1000 agents de Corbeil vont pouvoir toutes et tous dire ce qu'ils pensent de la ville, du projet politique, de leurs conditions de travail. Et ça va aussi nous servir à débattre avec eux de comment deux mesures que vous auriez dû faire, qui n'ont pas été faites, l'allongement du temps de travail et la refonte du régime indemnitaire, le RIF7, eh ben on va s'y coller. Mais on va le faire avec eux. Et le personnel va donc être complètement associé avec des engagements que nous prendrons début juin, j'espère au Palais des Sports, avec les 1000 agents. Nous reviendrons vers eux. On vous a écouté, vous nous avez dit ça. Voilà les engagements que nous prenons pour le temps de travail, le régime indemnitaire et tant d'autres choses qu'on va découvrir en les écoutant. Voilà, je finis ce que je voulais vous dire sur ce budget pour vous montrer et que ceux qui nous écoutent... D'ailleurs, je le dis, je suis très content de cette retransmission. Je suis allé courir ce matin et j'ai rencontré des Corbeil-Essonnois qui disaient « Ah ben, vous prenez des forces parce que ce soir, on vote le budget ». Et donc je les salue, parce qu'il y a des centaines d'habitants qui nous regardent, et je trouve ça un élément aussi démocratique. Juste quelques chiffres rapidement, avant que Sylvain fasse sa présentation, brillante comme d'habitude. Des chiffres pour que ceux qui nous écoutent se disent, alors, d'accord, mais c'est quoi ce budget, par exemple. Je vais commencer quand même justement par l'achat des pinsons. Ce qui est bien, c'est que grâce à Serge Dassault, tout le monde connaît les pinsons à Corbeil-Essonnes. C'était un lieu que je ne qualifierais pas. Aujourd'hui, ça va devenir un lieu d'éducation, puisque ça va devenir un collège. Eh bien, c'est 2 500 000 euros. On ne peut pas dire que la famille Dassault nous ait fait de cadeau, mais enfin bon, on a acheté le prix. 2 520 000 euros, les pinsons appartiennent à tout le monde, et ça va devenir le 5e collège de Corbeil-Essonnes. Ça, c'est dans le budget. Et d'ailleurs, les parents d'élèves, Michel, hier... étaient très inquiets, tous ceux de mon conseil, qui voient leurs gamins se faire dire « Vous allez à l'école à Villabé ou à la Nacelle ?» Ils pleurent, les mômes, parce qu'ils devraient aller à Louise Michel. Ben, c'est parce que depuis des années, vous auriez dû faire un collège, vous ne l'avez pas fait. Nous, en 22 mois, on a trouvé le lieu, validé par l'Éducation nationale, validé par François Durouvray, le département. Oui, vous pouvez applaudir, Madame Quetefi. Et vous ne moquez pas des parents qui pleuraient hier parce que leurs gamins, ils vont aller à Trifouiller les Oies alors qu'ils doivent aller à Louise Michel. Nous, on va leur permettre d'aller à pied à quelques centaines de mètres de chez eux. Et on va en faire un collège mixte où il y aura à la fois des gens de milieux plus favorisés et des gens de milieux plus populaires qui seront dans le même établissement. Ça, le budget, c'est quoi? C'est ça. Le budget, donc, sur l'éducation, c'est nous avons enfin... aussi embaucher un directeur de la jeunesse, en l'occurrence une directrice, qui arrive dans quelques jours. C'est 51 000 euros, parce que c'est une vraie directrice de la jeunesse, vous comprenez. Et puis on a dissocié le poste, on va avoir aussi un vrai directeur de l'animation de la vie sociale et des quartiers, pour s'occuper de tous les espaces-villes de Corbeil, des gens qui en ont, vous savez, le métier et la compétence. C'est 48 000 euros. C'est l'installation de la MIV. J'y étais tout à l'heure avec la préfète, à la politique de la ville. Nous allons installer la MIV dans le bâtiment qui était vide, celui-là aussi, juste en face du NCA. Il y aura avec son directeur la MIV. Et là, tout ça, c'est prévu dans des dépenses, mais c'est aussi l'agglomération qui nous aide. L'installation de vidéos projection et non pas protection, dans 39 classes de sites... c'est 360 000 euros. Pour 360 000 euros, Michel, tu en auras, pour avoir de la vidéoprojection dans beaucoup plus de classes. Triplement des budgets, notez ça, parce que ça intéresse tout le monde, triplement des budgets des 7 maisons de quartier. Dans la campagne électorale, les habitants de Corbeil, les jeunes, les gamins, ne savaient plus, je le dis, c'est pas faire offense à ceux qui y travaillent, au contraire, on veut les accompagner, à quoi servaient les espaces-villes de Corbeil? C'était un débat. Eh bien, nous, on va tripler le budget des maisons de quartier. Ça, c'est un choix. Le maintien de la classe passerelle, etc. L'embauche d'un psychologue pour la petite enfance. Le poste était créé depuis belle lurette, depuis 5 ans. Qui peut penser que les enfants, dans la période que nous vivons, n'ont pas besoin de psychologue? Merci, Michel et les autres élus. Nous aurons un psychologue.
Martine Soavi, qui suit ces questions aussi. Et puis, des travaux, hier, c'est revenu, enfin, dans l'école maternelle, entre autres, hein, parce qu'il y aura des travaux dans plein d'écoles, mais sur Simone Veil, c'est 973 000 euros. 960 pour que Simone Veil retrouve une école digne. Rapidement, les inégalités sociales, j'en ai parlé. Nous allons lancer les études pour réaliser l'épicerie sociale. Enfin, 150 000 euros. L'embauche d'une directrice de l'action sociale et de l'autonomie, 50 000 euros. Une étude, nous allons retravailler les quotients familiaux pour qu'ils soient plus justes, donc ça coûte un peu de sous. Nous avons embauché, et je la salue pour la qualité déjà de son travail, une chargée de mission pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je le redis, merci Mounia pour ton travail, un véritable fléau. Hier encore, j'ai découvert une femme victime de violences, on en discutera, proprement scandaleux. Eh bien, on a une personne dédiée à ça qui fait un travail remarquable. Nous avons fait le choix que les SDF arrêtent de dormir dehors, en tout cas pendant toute la période hivernale. Merci Fadila pour ta détermination, Sophia pour le travail avec les associations. Eh bien, ça a un coût, la reconduction donc, d'un foyer pour les sans-abri. L'échographe pour le centre municipal de santé, 62 000 euros. La sécurité, on y tient. Nous avons installé de nouvelles caméras dans la ville, 110 000 euros. L'achat de nouveaux véhicules, nos policiers municipaux n'étaient pas gâtés, 250 000 euros. Je le redis, nous avons plusieurs postes ouverts. Nous voulons monter en puissance sur notre police municipale, mais toutes les villes sont un peu en concurrence. Venez travailler à Corbeil-Essonnes, il y fait bon vivre. Et ça va aller de mieux en mieux. Et donc, venez travailler pour nous aider à la sécurité. Merci, Hervé, pour ton travail. Rapidement, le personnel, j'en ai parlé, principale richesse. Donc, nous en avons pour 100 000 euros pour les concertations, 3 mois d'écoute des personnels. C'est un coût, on assume. Maintien de 12 postes d'apprentis. On veut développer l'apprentissage et on montre l'exemple. 112 000, 115 000 euros. Le régime indemnitaire... le travail que nous avons fait, 100 000 euros. Les nouvelles technologies, j'ai bientôt fini, mais ça permet de comprendre. 4 conseillers numériques embauchés pour lutter contre la fracture numérique, 164 000 euros. La transition écologique et solidaire, nous avons, il est arrivé, merci Jacques pour ton travail avec lui, un chargé de mission pour la maison de la transition écologique, 62 000 euros. Et puis on va ouvrir... cette année, la maison de la transition écologique, 130 000 euros. L'animation sociale, culturelle, sportive, les guinguettes du monde, c'est bien que vous sachiez, parce que c'est votre argent, les guinguettes du monde, 158 000 euros cette année. La plage urbaine reconduite, 192 000 euros. L'éclairage du stade Robinson, c'était dommage, tout était par terre, 440 000 euros. Et le lancement, nous aurons un nouveau terrain de foot synthétique dans le mandat à Corbeil-Essonnes. On lance les études, 50 000 euros. Et puis, il y a toute l'action cœur de ville. Nous voulons se donner des moyens pour que tout l'habitat dégradé du centre-ville, les commerces qu'on maîtrise peu, nos 52 épiceries, on s'attaque à ça, 800 000 euros. Et puis, les études pour commencer la halle du Comte-Aimont et les travaux de la place du Comte-Aimont, 150 000 euros. Voilà, ces chiffres... Vous les avez, on les publiera dans le magazine du mois prochain. Vous retrouverez tout ça, il sera sur le budget. Ce mois-ci, il est sur le logement. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, qui montre que on a une politique, on a le droit de ne pas la partager, c'est la nôtre, des chiffres clés et réussir le mandat pour lequel nous avons été élus par la population. Voilà ce que je voulais vous dire. Sylvain va vous donner des éléments... encore plus précis sur le budget, et puis on pourra débattre et voter le budget. À toi, Sylvain. Oui, alors c'est jamais très facile de présenter un budget. Je vais essayer de ne pas faire trop long, et je vais essayer de ne pas répéter ce que tu as dit, puisque tu as déjà donné, Bruno, beaucoup d'éléments sur ce que nous allons faire. Alors... D'abord, je voulais faire remarquer, je vais m'aider de 5-6 tableaux là, qui devraient être à peu près lisibles. J'ai distribué quelques exemplaires papier pour le fond de la salle, parce que je pense que c'est plus difficile pour eux.
Oui, je m'aide de 5 à 6 illustrations, schémas, parce que c'est plus facile de commenter quelque chose que de le dire, surtout quand il y a des nombres. Et comme je sais que c'est un peu difficile pour nos collègues de l'opposition en particulier qui sont au bout, j'ai distribué 3-4 exemplaires de ce que je vais projeter, de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte. Bien entendu, ensuite, ça sera diffusé à tout le monde. Hein. Voilà. Il s'agit d'un certain nombre de graphiques, et il y a deux ou trois schémas qui reprennent les chiffres de la comptabilité, mais qui ne figurent pas dans le document de présentation, si vous voulez. C'est ma manière de présenter un certain nombre de chiffres pour essayer de rendre l'exercice un peu plus agréable et si possible, le plus compréhensible possible. La première remarque sur le budget, ben, vous le voyez avec le tableau qui est affiché là, c'est qu'en masse, c'est un budget qui progresse, malgré toutes les difficultés que nous avons, et je vais dire lesquelles. Vous voyez qu'on passe de 105 millions au total à 110. Une remarque technique, les humains lisent, enfin en tout cas nous, Européens, nous lisons de gauche à droite. Donc dans tous mes tableaux, la progression chronologique va de gauche à droite. Ce n'est pas le cas des tableaux de l'administration. Alors donc par moments ils sont inversés, pas de panique, ça me paraît logique d'aller de gauche à droite parce que c'est le sens de lecture. Voilà. Donc 2021 c'est à gauche, 2022 c'est à droite. Je dis ça parce que si vous regardez le document, par moments vous n'allez pas comprendre. Alors je vous explique pourquoi c'est fait comme ça, ça me paraît logique. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur les conditions dans lesquelles nous avons préparé ce budget. C'est un budget qui a été difficile à faire. Pour toute une série de raisons. D'abord, il y en a une que vous avez citée, monsieur le maire, c'est le passé, parce que nous avons toujours à réparer la situation que nous avons trouvée, et ça va porter sur plusieurs années, et donc c'est une des difficultés réelles. Mais il y en a d'autres. Il y a le problème de la compensation, de la suppression de la taxe d'habitation. Et vous savez le combat qu'il a fallu mener pour que l'on donne raison à la commune. Je vais le rappeler tout à l'heure parce que c'était une réelle difficulté. Il y a ce que j'appelle des dotations incertaines parce que on essaye de prévoir les dotations qui vont nous arriver de l'État, mais on n'est jamais sûr. Et je peux vous dire ce soir, et là je l'annonce à tout le monde parce que les élus de la majorité n'en savent pas plus que les élus de l'opposition, c'est que nous avons eu ce matin l'indication des dotations, DSU, dotations forfaitaires, et une fois de plus, ces dotations sont inférieures de 19 000 euros, en l'occurrence, à nos prévisions. Alors c'est pas une somme énorme, mais vous voyez que ça ajoute une incertitude, parce que ça, on a eu le résultat, si vous voulez, que par une notification qui a été faite ce matin. Alors, bien entendu, il y a d'autres éléments. Il y a, ben, vous le savez, parce que vous le vivez tous, il y a l'augmentation des prix du gaz, de l'électricité, des carburants. Il y a la pénurie de certaines matières premières qui fait que, par exemple, on nous livre peu ou en retard des ordinateurs. Il y a les incertitudes internationales, je n'y reviens pas, mais enfin, ça pèse quand même. Et puis il y a même les élections présidentielles, parce qu'on ne sait quand même pas ce qui va se passer pour, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, pour les collectivités locales. Il y a aussi une décision qui a été annoncée, mais on ne sait pas, ça dépendra de l'élection. Il y a une décision positive, l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. C'est une décision, je crois, que nous approuvons tous. Mais aucune compensation n'est pour l'instant envisagée. Si donc cette bonne nouvelle pour les salariés se concrétisait, inutile de vous dire que le budget tel que nous l'avons conçu aurait du plomb dans l'aile. Bien, j'en viens à l'équilibre général du budget. Alors, je sais que certains d'entre vous sont très habitués à ce genre de choses.
mais pas tout le monde. On m'entend ou pas? C'est en principe. Alors, on va laisser faire nos amis techniciens, parce que il est normalement prévu que je puisse bouger. C'est plus commode, mais sinon, je vais faire autrement. Non, mais il est bien allumé. Oui, non? Vous entendez quelque chose? Très bien. Non, parce que c'est plus sympa de bouger, c'est plus agréable. Bon. Alors, j'ai cherché, au-delà de la présentation strictement comptable, n'est-ce pas, qui est toujours un petit peu aride et pas évidente à comprendre pour tout le monde, j'ai essayé, avec des schémas simples, d'expliquer comment nous faisons, en fait, pour équilibrer le budget. Et je reprends ici, pour ceux qui ont assisté, vous savez, à la présentation de la FCL, pour ceux qui ont suivi l'entreprise qui a fait une analyse rétrospective et prospective de nos comptes, vous vous souvenez peut-être comme Madame Bontron avait présenté un schéma qui ressemblait à celui-ci. Alors, dans la partie supérieure, on s'occupe du fonctionnement. Dans la partie inférieure, on s'occupe des investissements. Dans la première colonne, des recettes. Dans la deuxième colonne, des dépenses. Et comme ça, on s'y retrouve. Alors, on a les recettes de fonctionnement de la commune. En face, on a des dépenses. On dépense moins qu'on ne reçoit. Il y a un reste. C'est ce qu'on appelle l'épargne brute. Je pense que c'est clair pour tout le monde. L'épargne brute, on va s'en servir. Ça va servir pour l'investissement. C'est la flèche que vous voyez là, la flèche noire. On va s'en servir pour l'investissement et puis vont s'ajouter un certain nombre de ressources, de recettes d'investissement. Et bien sûr, il y aura, si c'est nécessaire, malheureusement ça l'est toujours ici, des emprunts. Alors je voudrais tout de suite expliquer que l'épargne brute, elle doit en priorité servir au remboursement d'emprunts, au remboursement de capital. Et normalement, on ne doit jamais avoir à rembourser plus d'emprunts, plus de capital qu'on a d'épargne brute. Et c'est ce qui est représenté, vous voyez, par le pointillé rouge. Il doit rester quelque chose quand on a remboursé les emprunts. Et c'est ça qu'on appelle l'épargne nette. Et quand j'ai fait ce schéma, et que j'ai réalisé que cette année, nous avions une épargne nette, alors elle n'est pas élevée, mais on en a une, je me suis dit, mais au fait, comment ils faisaient avant? Alors, on va, Italia, je vais te demander de passer à la suite. Encore. Eh bien, je regardais ce qu'était devenu l'épargne nette. Vous savez, les années, hein, vous voyez, qui correspondent aux couleurs, hein, je pense que tout le monde comprend. Eh bien, dans l'ère bechterienne, vous voyez, qui occupe une grande partie du schéma, eh bien, l'épargne nette, elle était régulièrement négative, sauf une année en 2018. Je dis ça parce que quand on nous accuse de mauvaise gestion ou qu'on pense que les difficultés sont récentes et sont dues à nos choix, eh bien, je dis que sur l'épargne nette, qui est un indicateur, un ratio important pour une collectivité, eh bien, c'est pas le cas. Ça, c'était donné dans le robe, mais pas sous forme graphique. Hein. Je voulais représenter en forme graphique pour que tout le monde comprenne bien. Je vais demander à Italia de revenir en arrière jusqu'au premier schéma. Je m'excuse, mais enfin, c'est pas très long. Encore un coup, excuse-moi. Voilà. Bon, alors, une dernière précision peut-être. Là, je considère qu'on a décidé de faire des emprunts. Bon, en toute rigueur, je reprends là ce qui est expliqué d'ailleurs au niveau de GPS qui publie un schéma qui ressemble à celui-là. En toute rigueur, c'est en fonction des dépenses d'investissement qu'on peut faire qu'on décide de faire des emprunts. C'est-à-dire que l'emprunt, c'est un emprunt d'équilibre, normalement. Alors nous, on a une idée assez précise des dépenses qu'on veut faire en investissement, donc c'est pour ça qu'on prévoit de faire des emprunts. Ça vous va? C'est clair, ça? Pour tout le monde? Alors, on peut passer au schéma suivant, parce que maintenant qu'on a compris ce schéma, ben, on va essayer de le remplir, vous voyez, avec les chiffres du budget 2022, pour comprendre ce que ça donne. Alors,
Vous voyez comment ça se présente. On a, je vais parler en chiffres ronds, hein, on a 81 millions d'euros de recettes réelles de fonctionnement, la plus grande part étant due bien sûr à la fiscalité, mais on va en parler un peu après. Et puis on a des dépenses réelles de fonctionnement de 72 millions et il nous reste une épargne brute de 9 millions 250 000 euros. Avec cette épargne brute qui passe en investissement, on va rembourser notre capital d'emprunt qui est de 9 millions, c'est écrit en petit, 9 222 000 et il va nous rester une épargne nette de 28 000 euros. Alors ça, c'est... Vous avez vu le graphique que je vous ai montré, c'est rare, hein. C'est la deuxième année sur 10 ans, vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est d'ailleurs, il y a une part de conjoncture favorable, hein, parce que nous avons obtenu satisfaction sur la compensation de la taxe d'habitation. Bon, alors les chiffres que vous avez là... permettent de comprendre l'ensemble. Vous voyez qu'on a un total de 81 millions pour la partie fonctionnement et de 27 millions pour la partie investissement. Alors si vous lisez le document qui vous a été donné, vous serez peut-être un peu surpris parce que vous retrouverez bien les 27 millions 203 en dépenses, mais en recettes, vous trouverez quelque chose aux alentours de 17 millions, donc c'est un peu troublant quand on regarde, mais c'est dû à un problème de présentation comptable, c'est-à-dire que l'épargne brute n'est pas comptée dans les recettes, vous voyez ? Elle s'ajoute, mais si on l'ajoute comme je l'ai fait ici, vous pouvez faire les totaux là, tous les chiffres sont tirés de la comptabilité qui vous a été donnée, et vous aurez bien des deux côtés 27 203 000. Alors, maintenant que j'ai fixé ce cadre, je vais rentrer dans la description un petit peu plus précise avec les chiffres de la suite de l'essentiel du budget. On va s'occuper d'abord... Alors, je vais peut-être changer de micro, ça va peut-être... Je pense qu'on va m'entendre, il n'y a pas de problème. Donc, les recettes de fonctionnement, elles s'élèvent à 81 850 000 euros. On va trouver là-dedans les recettes, les ressources fiscales, la dotation globale de fonctionnement et les autres produits de fonctionnement. Je vais passer hein, sur les détails, pour que ce ne soit pas trop long. Dans les produits des services, nous prévoyons des recettes de 3 millions contre 2,8 millions en 2021, parce qu'on pense que le niveau, vous savez, la pandémie étant en théorie terminée, même s'ils ont pas mal de malades en ce moment, on pense que l'activité va retrouver un niveau semblable à celui de 2019, et donc que les produits des services vont un peu augmenter. Ils dépendent, bien entendu, des tarifs votés en conseil municipal, mais de choses très difficilement prévisibles, le nombre de concessions vendues dans les cimetières, du taux d'occupation des structures de la petite enfance, par exemple, de l'occupation du domaine public, etc. En ce qui concerne les impôts et les taxes, ce chapitre représente à lui seul 75%, les trois quarts de nos ressources, et augmente de 4,61% par rapport au budget primitif 2021. On passe de un peu plus de 59 millions à presque 62. Dans la fiscalité directe, vous savez que nous avons eu une grosse difficulté avec la compensation de la taxe d'habitation. Alors, là aussi, je vous ai reproduit un schéma qui permet de comprendre ce qui s'est passé depuis 2017. Ça marche, là ? Oui, ça va. Bon. Très rapidement, en 2017, il y avait une fiscalité particulière pour le CIARS. Sur la feuille d'impôt, il y avait la commune et puis il y avait le CIARS.
il y avait 17% un quart pour la commune et il y avait 1% 47 pour le CIARS. Qu'est-ce qui se passe en 2018? Changement de compétences. Le CIARS va être payé par GPS, GPS va être payé par la commune. Vous me suivez? Et donc, et ça je n'en fais pas grief à la précédente municipalité, au lieu de faire payer pour le CIARS d'un côté et pour la commune de l'autre, on fait payer le total, à la commune et c'est redistribué ensuite via GPS au CIARS. Pour l'instant, tout va bien parce que c'est le même taux, c'est la même somme totale qui est prélevée. Et puis, en 2021, on supprime, comme vous le savez, la taxe d'habitation. L'État compense, mais il compense la commune en tenant compte uniquement du taux commune et pas du taux du CIARS. C'est-à-dire qu'il nous donne 17,25 alors qu'on avait besoin de 18,72. Parce que nous, on continue à payer GPS et on continue pour alimenter le budget du CIARS. Voilà, je ne dis pas plus, hein, mais je pense que tout le monde comprend que la méthode de compensation nous faisait perdre beaucoup d'argent et cela a été corrigé après nos interventions à de nombreux niveaux et l'intervention d'autres communes. Cela a été corrigé par la dernière loi de finances. Je précise que toutes les valeurs qui sont dans le budget pour la fiscalité ont été calculées en tenant compte de la non-augmentation des taux. Hein, il n'y a pas, de notre part, d'augmentation des taux d'impôt. C'est important de le dire. Nous touchons une attribution de compensation qui est versée par GPS. Elle s'élèvera en 2022 à environ 25,5 millions, comme en 2021. Nous touchons le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales. Nous devrions toucher en 2022, 200 000 euros. Nous touchons le Fonds de solidarité de la région Île-de-France. On devrait toucher à nouveau cette année 1 500 000 euros, mais on est à la frontière. On risque de perdre cette dotation. Et dans ce cas-là, il y a une mesure d'atténuation, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'année suivante, on toucherait que la moitié. Mais ce serait un problème sérieux. Nous touchons bien sûr les taxes additionnelles aux droits de mutation. Nous prévoyons qu'elles nous rapportent 1 900 000 euros. La taxe locale sur la publicité extérieure, elle devrait nous rapporter 270 000 euros. La taxe sur la consommation finale d'électricité, environ 1 million d'euros. La dotation globale de fonctionnement, vous savez qu'elle est constituée de la dotation forfaitaire. Il y a un petit problème technique, je ne vais pas vous montrer le graphique, mais la dotation forfaitaire, elle baisse d'année en année. Et la société FCL, l'expert qui était venu à notre précédente réunion de conseil municipal, nous avait expliqué que dans quelques années, elle allait arriver à zéro. Elle baisse tendanciellement vers zéro. La dotation globale de fonctionnement, elle augmente, mais elle augmente moins vite que la dotation forfaitaire ne baisse. Ce qui veut dire que ça ne compense pas l'argent que nous payons. Alors, on avait prévu, dans les documents que vous avez, on avait prévu une dotation forfaitaire de 2 306 000, et on a eu ce matin l'information définitive, ce sera 2 303, et donc un petit peu moins. En ce qui concerne la dotation globale, le total de la dotation globale de fonctionnement, on avait prévu 6 595 000, on sera à 6 575 000. Et donc, au total, nous allons perdre, par rapport à nos prévisions, un peu plus de 19 000 euros. Je passe sur des choses moins importantes, puisque vous avez de toute façon tous ces chiffres, et je vais en arriver
aux dépenses de fonctionnement. Elles sont en augmentation de 5,74% à 81 850 000 euros contre 77 410 000. Vous avez ça dans le tableau de la page 16 sur votre document. En ce qui concerne les charges à caractère général, elles représentent environ un peu plus de, du quart des dépenses réelles de fonctionnement. Elles augmentent d'environ 10%. D'où vient cette augmentation ? D'une part, de l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz, ça nous coûte plus d'un million d'euros. C'est quelque chose de considérable pour nous. De la réactualisation due aux tarifs pour les prestations de nettoiement des espaces publics, ça nous coûte 450 000 euros. Et à la modification des prestations commandées pour la restauration collective. Alors vous savez qu'on a une délégation de services publics qu'on est en train de renouveler. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons améliorer la qualité des repas qui sont servis en particulier à nos enfants. Il ne peut pas y avoir d'amélioration sans que ça ait un coût. Vous savez d'ailleurs que, je crois que je l'ai déjà expliqué, mais j'en redis un mot, c'est très important pour nous et pour les enfants surtout. Vous savez que la loi Egalim prévoit une série d'améliorations qui a déjà un coût. Nous, nous avons élaboré avec le partenaire qui nous aide, nous avons élaboré un cahier des charges encore plus exigeant, mais là aussi, cette exigence supplémentaire aura un coût. J'en viens rapidement aux charges de personnel. Nous prévoyons une augmentation de 0,67% et donc une dépense de 44 800 000 euros contre 44 500 000 au budget primitif de 2021. Nous avons tenu compte d'un GVT, vous savez, c'est on laisse au fil de l'eau, une masse salariale, si vous y touchez pas, ça augmente. Hein. C'est dû au glissement, vieillesse, technicité. Donc on a prévu un GVT de 1,7%, ça nous coûte 200 000 euros. Et puis nous avons compté aussi sur l'augmentation du SMIC de 1%. Si on raisonne en pourcentage, les dépenses de personnel augmentent de 1,2% par rapport au réalisé 2020, mais seulement de 0,67% par rapport au prévisionnel. Alors si on regarde, parce qu'on dit beaucoup de choses, si on regarde, voici l'évolution sur le graphique, voici l'évolution des charges de personnel. J'ai fait en sorte que les hauteurs de colonne soient proportionnelles, mais qu'on ne coupe pas. Hein, c'est la hauteur totale qui est proportionnelle. Bon, bah, vous voyez qu'il y a une légère augmentation. On a parlé à plusieurs reprises des causes. Et vous voyez que ce n'est pas non plus une augmentation aussi massive que certains ne le disent. On revient à la situation de 2015, en gros, actuellement. Je rappelle tout de même la difficulté qu'il y a à maîtriser l'évolution de la masse salariale. D'abord parce qu'il y a une demande qui souvent paraît très légitime des services. Moi, je ne veux pas rentrer, ni faire de misérabilisme, ni rentrer dans des détails trop particuliers, mais quand même. Moi, je me suis retrouvé, il y a quelques jours, dans un service, avec beaucoup de gens malades, à peu près la moitié, et une référente, une responsable, qui se met à pleurer parce qu'elle ne sait pas comment faire. Il y a une souffrance au travail dans certains services. Et il y a des gens qui sont demandeurs de renfort. Et on ne peut pas toujours dire il y a le budget, et puis point final. Il y a aussi les ressources humaines. Il ne faut pas oublier qu'il y a humaines hein, quand on en parle. Bon, pour expliquer, il y a les effets mécaniques du GVT, je l'ai dit. Il va y avoir, et on l'a anticipé, les effets du nouveau système indemnitaire. Il y a l'augmentation du SMIC. Et puis, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation envisagée par l'actuel gouvernement du point d'indice. Pour vous donner une idée, 2% de point d'indice d'augmentation, ça fait à peu près un peu moins de 800 000 euros. Et s'il y avait une augmentation de 3%, ça nous coûterait un peu moins d'un million d'euros. C'est pas négligeable. Les charges de gestion courante, elles passent de 3 millions et demi à 3 735 000. Les subventions aux associations sont maintenues, sauf pour la MJC, dont la subvention baisse de 75 000 euros. C'est pas qu'on veut lui diminuer ses moyens, mais c'est parce qu'elle assumait
une partie de l'organisation des guinguettes du monde et que ça a été porté à un autre chapitre, ce sera financé directement. La subvention de la Caisse des écoles est maintenue au niveau de 2021 à 120 000 euros, celle du CCAS à 997 000 euros au lieu de 750 000 parce que le CCAS va maintenant financer le portage des repas à domicile à compter du mois de septembre 2022. Les indemnités, cotisations et frais de mission des élus sont estimés pour 2022 à 639 000 euros. La participation de la commune aux frais de fonctionnement de l'école Sainte-Marie à 220 000 euros et une enveloppe de 151 000 euros a été prévue pour les créances irrécouvrables. En ce qui concerne les charges financières, nous avons contracté un seul emprunt en 2022, un emprunt de 2 millions d'euros. Il est prévu pour 2022 de limiter le recours à l'emprunt à la hauteur de 5,5 millions. Alors, bien comprendre qu'il y aura en plus les 2,52 millions d'emprunts pour... oui, reporté de 2021, c'était le terrain des Pinsons. Je ne sais pas, monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez dit que vous ne saviez pas qualifier le lieu des Pinsons. Je vais vous dire, c'était un lieu de délinquance. La nuitée... Ah ben, c'est mon opinion. Je crois d'ailleurs que certains doivent la partager. En 2022, le remboursement des intérêts baissera de 200 000 euros à 3 060 000 euros au lieu de 3 260 000 et le capital à rembourser baissera de 49 000 euros. L'annuité de la dette sera donc en baisse de 249 000 euros, mais elle pourrait augmenter en raison d'une décision modificative budgétaire. Je passe à la section d'investissement. Les recettes d'investissement s'élèveront à 17 953 000 euros. Le FCTVA comptera pour un peu plus d'un million d'euros. Nous toucherons 400 000 euros de taxes d'aménagement. Nous toucherons 30 000 euros, je crois que c'est grâce à Hélène, nous toucherons 30 000 euros de dons du Crédit Agricole. Et... Monsieur le maire, nous sommes outrés par la dernière remarque de Monsieur Renard. Nous sommes désolés. Habituellement, Monsieur Renard nous avait habitués à de la considération et au respect. Là, on est... c'est absolument scandaleux, vos propos. Alors, nous avons bien compris que dans ce budget, vous n'avez rien à dire. Il n'y a rien dans ce budget. Donc, ça sera mon commentaire. Il n'y a rien dans ce budget. Vous essayez de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, je l'ai déjà dit. Je vais paraphraser Michel Audiard. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Et vous nous balancez une chose absolument inadmissible en ce qui concerne les Pinsons. C'est inadmissible et c'est la raison pour laquelle quittons cette séance. Nous sommes désolés auprès des Corbeil-Essonnois. Ils comprendront parfaitement notre position. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Attends, parce que s'ils s'en vont... C'est du mépris. Voilà, vous partez, très bien. Alors, qui s'en va ? Reste Monsieur Raymond ? Je veux dire deux mots calmement. Allez, Sui, vous demandez la parole, parce que... Oui. On est constamment traité de menteurs. Alors il faut respecter. Mounia, excusez-moi, on va les laisser partir, c'est leur droit. Allez, c'est bon, on va les laisser partir. Attendez, monsieur Renard, parce que de toute façon, vous allez répondre après, pour ceux qui restent. Alors vous partez, vous ne partez pas ? Voilà. Il y a juste une seule ligne qui m'a intéressée et que les Corbeil-Essonnois, qui va intéresser les Corbeil-Essonnois, le CTM qui était tellement attendu, tellement prévu, la ligne est à zéro. Aucun projet. Oui.
Merci. Accessoirement. Je pense que c'est intéressant de pouvoir mettre les projets, les projets qui sont prévus. Je ne resterai pas. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Vous restez pour le débat, vous restez pas pour le débat. Je vous laisse entre vous, je vous laisse entre personnes de bonne composition. Ici, ce n'est pas l'auberge espagnole. Pas de mépris. Hein, pour boire des coups, c'est sympa, mais c'est le budget. Oui. C'est le conseil municipal, donc il n'avait pas fini. Si vous voulez parler, vous vous asseyez et ce sera après. Bonne soirée. Voilà, bonne soirée. Moi, j'ai appris, oui, ça, Jacques. Toi qui es un vieux de la vieille comme moi de l'opposition municipale, nous, on était contents quand on avait le vote du budget parce qu'on était intarissables. Il est possible que nos collègues n'avaient pas grand-chose à dire de notre budget. Donc, Sylvain, tu peux continuer. Oui, je souhaite quand même, si tu le permets, donner un mot d'explication. Je n'ai rien dit qui soit irrespectueux aux personnes, à nos collègues, et qui étaient ici. J'ai parlé du lieu des Pinsons. Les Pinsons, c'était la propriété de Serge Dassault. Nous l'avons d'ailleurs racheté au consort Dassault, pour reprendre l'expression juridique. J'ai toujours respecté la présomption d'innocence. Jamais je n'ai dit que M. Bechter était un délinquant. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas du tout attaqué M. Bechter. En droit français, la présomption d'innocence ne s'hérite pas. M. Dassault était un délinquant. Il a d'ailleurs été condamné à plusieurs reprises par les justices de plusieurs pays. J'ai le droit, en droit français, de dire que Serge Dassault était un délinquant. Je n'ai pas le droit, et je ne l'ai jamais dit, pour M. Bechter. Les Pinsons appartenaient à un délinquant. Et moi, j'ai connaissance, parce que j'ai porté plainte, je me suis porté partie civile, et j'ai eu accès au dossier d'instruction. Je sais ce qui se passait aux Pinsons, parce qu'il y a la liste, la description figure dans les témoignages dont tu as eu toi aussi connaissance. Donc voilà pourquoi j'ai dit, et je le maintiens, que les Pinsons étaient un lieu de délinquance et de délinquance réitérée. Ceci dit, j'en reviens au budget, mais je voulais quand même dire ça pour bien qu'on comprenne qu'il y avait respect de la loi et respect aussi de l'histoire triste de cette ville. J'avais terminé sur le fonctionnement et j'étais en train de parler de l'investissement. Sur les emprunts et dettes, donc, la commune a prévu de solliciter de nouveaux emprunts pour un montant de 5 500 000 euros qui s'ajouteront aux 2 520 000 euros qui ont été engagés en 2021 et reportés sur 2022 pour financer l'achat, justement, de la propriété des Pinsons. Je termine sur les dépenses d'investissement. Elle s'élève à 27 303 000 en 2022 contre 27 270 000 en 2021. Vous avez un tableau récapitulatif page 23 pour ceux qui veulent regarder. Nous avons, en ce qui concerne les emprunts et les dettes assimilées, le remboursement du capital qu'on a vu sur le graphique tout à l'heure de 9 222 000 euros. Qui sera moins élevé de 0,5% que le montant de l'emprunt qui sera souscrit en 2022, la commune continuera donc de se désendetter, c'est le point important, et l'encours de la dette devrait être ramené à 108 576 000 contre 109 775 000 en 2021. Notre capacité de désendettement, vous savez que c'est le nombre d'années nécessaires pour rembourser notre dette en utilisant l'épargne brute, elle devrait passer de 25 ans à 16 ans. Le plafond de référence habituel, c'est 12 ans. Ne pas s'enthousiasmer quand même, je pense que ça remontera dans les années précédentes. En ce qui concerne les immobilisations corporelles et incorporelles, je ne rentre pas, je ne vais pas vous accabler de chiffres. Vous avez, page 25, le tableau. Le rapport fournit également la liste des opérations
non subventionnés. Vous l'avez page 26, et je ne vais pas le commenter en détail, mais on peut répondre aux questions. Vous avez un tableau qui précise quels seront les investissements qui seront réalisés, y compris celles qui sont non subventionnées, dans le tableau des pages 26 et 27. J'en ai terminé en espérant n'avoir pas été trop long, mais je n'avais pas prévu de créer un incident. C'est simplement une déclaration sincère, sans avoir prévu les réactions. Très bien. Ne m'en voulez pas merci pour ça. Merci en tout cas, merci. Personne t'en veut, parmi les présents en tout cas. Donc, Jean-Luc Raymond, vous avez la lourde tâche de porter à vous tout seul. Oui, mais écoutez, les remarques du budget, sur le budget. Je me sens bien seul, mais quoi qu'il en soit, bien évidemment, ben, je condamne totalement les propos de M. Renard qui n'ont pas lieu d'être dans un conseil municipal, surtout qui n'ont rien à voir avec le vote de notre budget. Ceci étant dit, quand on vous a entendu, Monsieur le maire, parler de ce budget, on se rend bien compte la vision différente qu'il peut y avoir quand on est dans l'opposition et dans la majorité. Ce budget 2022, Monsieur le maire, est bien évidemment le reflet du débat d'orientation budgétaire que nous avons eu lors du dernier conseil municipal. Je vais répéter ce que j'avais dit, un budget qui manque cruellement d'ambition pour notre ville, un budget où toutes les grandes réalisations qui figuraient dans votre programme sont abandonnées ou reportées après 2026, centre technique municipal, cuisine centrale pour nos cantines, moyens nouveaux en équipement personnel pour notre police municipale et tant d'autres choses encore. Un budget qui est flou, qui souvent est à la limite même de l'incompréhension. Mais surtout, Monsieur le maire, un budget que l'on pourrait presque qualifier d'insincère. Pourquoi ? En effet, vous ne tenez absolument pas compte des sommes que la ville va devoir payer dans deux procédures contentieuses avec des anciens agents, et notamment un de nos anciens directeurs général des services. Des sommes qui pourraient avoisiner le million d'euros et qui ne sont absolument pas provisionnées dans votre budget 2022. Par quel nouveau tour de passe-passe allez-vous devoir avoir recours pour régler cette facture quand la justice va vous obliger à le faire et ça ne serait tardé. Je ne vais pas ce soir rentrer dans les détails de vos chiffres. Je note cependant, vous qui savez critiquer notre gouvernement quand l'État a recours à des cabinets de conseil, que vous avez budgété près de 1 million d'euros en frais d'études confiés à divers bureaux d'études. Les conseils en matière d'urbanisme de votre architecte maison nous coûtent très cher pour un résultat qui risque d'être catastrophique pour notre centre-ville. Voilà, Monsieur le maire, ce que je peux vous dire. Je pourrais continuer. Le budget 2022, ben, il est à l'image de votre début de mandat. Chaotique, sans ambition, qui ne respecte pas vos engagements de campagne. Pire, qui va à l'encontre, notamment en termes d'urbanisme, de ce que vous aviez dit. Je pense que vous allez réussir à faire pire que votre prédécesseur. Une question à laquelle je souhaiterais avoir une réponse, puisque je ne l'avais pas eue, Monsieur Renard, lors du débat d'orientation budgétaire. Que vient faire dans le budget la démolition du site des Lyots ? Alors, merci, Monsieur Raymond. Alors, une réponse sur le site des Lyots, Sylvain, puis il y a d'autres... Oui, oui, sur ce point, je comprends, Monsieur Raymond, votre étonnement. Hein. Nous avons simplement voulu, dans le rapport d'orientation budgétaire, indiquer tout ce qui allait changer quoi, dans la ville, ce que les habitants allaient pouvoir constater de visu. Et ils vont en effet pouvoir constater que le site des Lyots va être démoli. Et très légitimement, certains, vous n'êtes pas le seul, Monsieur Raymond, je le comprends très bien, certains ont cru que c'était parce que nous financions la destruction.
que c'était nous qui payions et que c'était pour ça qu'on en parlait dans l'Europe. Alors je vous rassure, ce n'est pas le cas, c'est un terrain privé, c'est un promoteur qui intervient. Donc on l'a dit pour annoncer quelque chose que les corbeillers-saunois et corbeillers-saunoises allaient voir, mais ça ne rentre pas de fait dans le budget donc, en tant qu'action. Voilà, donc, hein, donc, c'est clair. Donc cette ligne n'a rien à faire dans le rapport de présentation du budget. Oh, c'est une idée, c'est pas une ligne. Ça voilà. Se discute, hein, disons que c'est une information sur ce qui se déroulera dans la budget, voilà. C'est quelque chose de sérieux, de précis. Ah bah, donc on ne met pas des choses comme ça selon son humeur. Mais vous avez votre réponse, la démolition d'Hélio ne coûtera rien au corbeil. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Jourdain. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Fermez votre micro, peut-être. Je voulais intervenir. Raymond. Voilà. Donner mon point de vue quant à ce budget, que je trouve, pour moi, le budget primitif me semble ambitieux, monsieur Raymond, et réaliste, notamment pour permettre le développement des activités physiques et du sport. Et à cet égard, je voudrais faire ressortir deux caractéristiques saillantes du budget en question. Tout d'abord, la question des équipements sportifs, qui, pour la délégation que je porte, est une des pierres angulaires. On s'en rend compte au quotidien avec les échanges que je peux avoir, que nous pouvons avoir avec les acteurs et les actrices du mouvement sportif. Alors, c'est un programme d'investissement majeur et protéiforme, parce qu'il ne concerne pas que des équipements sportifs structurants. On a notamment la question du basket 3-3, pour lequel on a obtenu la candidature en tant que la labellisation en tant que centre de préparation aux Jeux. Et donc, il est fléché l'achat de la structure de basket dans le budget de cette année. Également, des équipements de street workout qui ont été présentés précédemment lors de conseils municipaux. Et dès cette année, la ville va se doter de 6 équipements de ce type pour pouvoir pratiquer la calisthénie partout, tout le temps, et qui qu'on soit, pour toutes les corbeillers saunoises et tous les corbeillers saunois, de façon à ce qu'ils puissent faire du sport quand bon leur semble. Donc 6 d'un coup, c'est quand même quelque chose de conséquent, et ça va nous permettre de rattraper d'un seul coup le retard que nous pouvons avoir sur les villes avoisinantes qui ont déjà des équipements de ce type, ce qui n'est pas le cas de Corbeil-Essonne. Ensuite, dans des équipements plus structurants, le maire en a parlé, au stade Robinson, l'éclairage va être refait, ce qui est indispensable et qui porte préjudice actuellement aux usagers du stade. Mais on lance également des études pour le terrain de foot synthétique. Des études seront également lancées dès cette année. C'est à ça que ça sert, monsieur Raymond, les études. C'est de pouvoir envisager les travaux pour l'année suivante. Donc la piste d'athlétisme, étude cette année pour les travaux l'an prochain. Les locaux du club d'aviron, même chose. Et même chose que pour le basket 3-3, on a obtenu une labellisation aussi en tant que centre de préparation aux Jeux. Donc c'est une bonne nouvelle. Et par rapport toujours à cette question des équipements sportifs, je me réjouis également de la recherche de subventionnement qui permet d'avoir un programme comme ça d'investissement ambitieux. Et c'est la raison pour laquelle on fait toutes ces études préalables pour pouvoir candidater et obtenir des taux de subvention à hauteur de 80% dans le maximum des cas, ce qui nous arrive quand même fréquemment sur les projets envisagés. Voilà, et on n'est plus dans une logique de construction avec des recours au PPP notamment, comme ça a pu être le cas précédemment. On évite ce genre de choses, ce qui nous permet d'assainir les finances. Et le deuxième trait saillant que je voulais mettre en exergue avec mon intervention, c'est le soutien et l'accompagnement accru des acteurs du mouvement sportif. On va le voir au travers de la délibération portant sur les subventions aux associations sportives et associations tout court de la ville. Monsieur Renard en a déjà parlé, mais vous avez entendu qu'on maintenait le même taux de subventionnement alors qu'on a essayé de faire attention au niveau du budget par ailleurs. Donc on a eu un regard, une vigilance là-dessus. On lance également des concertations qui permettent de prendre vraiment le pouls et d'échanger, de construire une politique sportive, pour mon cas, ambitieuse, avec les acteurs, les actrices du mouvement sportif. Ça a commencé avec la question des street workouts et on se projette vers des tables rondes qui vont nous permettre de déboucher sur une vraie politique sportive pour l'avenir à Corbeil-Essonne. Et enfin, dans ce soutien et l'accompagnement aux acteurs du mouvement sportif, les nombreux événements sportifs d'ampleur
sont récurrents dans notre ville depuis quelque temps. Le gala de boxe anglaise, championnat de France de pancrace et submission. Mais ça ne va pas s'arrêter là. On projette une deuxième édition du Tour Corbeil et Saunois de cyclisme, un tournoi de basket 3-3 en partenariat avec l'Aglo début juin, donc un tournoi de basket open access, un gala de boxe française, des rencontres internationales de capoeira, une manche de Coupe du Monde de drone racing, une randonnée cycliste Deauville, Corbeil-Essonne, et enfin un championnat de l'Essonne de 10 km lors de la corrida de Corbeil-Essonne, organisée par la SE Athlétisme. Donc c'est une reconnaissance et du travail effectué par les acteurs et les actrices du mouvement sportif. Et donc je terminerai en disant que la philosophie de tout ça, qui se traduit dans le budget primitif, Monsieur le maire a parlé de vivant. L'expression que je vais retenir, c'est celle de Baptiste Morisot. On essaye de raviver les braises du vivant. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font et on essaye d'accompagner tout ça. Merci à vous. Voilà, merci vraiment, Rénal, Oscar, après à Jacques, Frédéric, Michel. Voilà. Martine. Bonsoir à tous et à tous. Vraiment... Vas-y, Oscar. Bon, merci de me donner la parole. Non, le budget cette année, il s'est construit dans un contexte particulier, mais il va être voté aussi dans un contexte encore plus particulier, puisqu'on a eu des défections. Bon, on n'y reviendra pas. Je voudrais déjà remercier Sylvain Renard et les services pour avoir élaboré ce budget vraiment en concertation et avec qui, tout au long de son élaboration, on a pu être associés et puis on a pu aussi. Découvrir son élaboration, donc merci à eux. Bon, je ne reviendrai pas sur l'état des finances de la ville au moment où on est arrivé, ni sur le désengagement de l'État que toutes les collectivités subissent, alors que les demandes qu'on nous fait sont toujours plus importantes, même de la part de l'État. Donc pour ce qui est, je vais plutôt m'attarder sur ce qui est de ma délégation, sur les fêtes, les arts et les cultures, bien sûr. Donc, moi, je suis quand même satisfait de voir que, malgré ces difficultés, le budget aux cultures, aux fêtes et aux arts, enfin, en tout cas, le budget de la culture est maintenu. Et c'est une très bonne nouvelle. Et ça montre aussi une ambition pour la ville. Parce que nous voulons continuer à proposer une politique culturelle ambitieuse et qui permette à chacun de participer à toutes les actions que nous mettons en place. Donc, le week-end dernier, on a fait une belle démonstration avec l'inauguration du festival L'œil urbain. On a eu une série d'expositions vraiment d'excellence. On a à peu près ce qui se fait de mieux, hein, entre William Klein, Guillaume Herbault, tous les autres, John Trotter, enfin voilà, des grands photographes actuels qui ont un regard aussi aiguisé sur le monde, mais surtout un regard engagé, puisque c'est le thème du festival. Et l'engagement, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut compter sur nous, puisque nous avons toujours porté des engagements et nous y travaillons tous les jours. Et je pense que ce budget aussi est à l'image de ces engagements pour plus de démocratie, pour plus de partage, pour plus de fraternité. C'est vraiment des choses qu'on porte très fort. Donc il y a eu beaucoup de monde ce week-end, hein, des médias, et puis ça va encore donner à parler. Et on en a jusqu'au 22 mai. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que toute la ville, s'empare de ce festival, que tous les enseignants, que toutes les structures de la ville puissent bénéficier de ce beau festival notamment. Mais en tout cas, vu l'ampleur qu'on a eue cette année, dire qu'on manque d'ambition cette année, bon, c'est étonnant parce qu'on ramène une des plus grandes stars mondiales de la photographie. On offre vraiment eu. Aujourd'hui, on parle de Corbeil-Essonne dans tous les médias pour un magnifique festival, au lieu de parler de projets judiciaires qui ont engendré d'ailleurs le départ de nos camarades. Mais qu'on nous dise que ça manque d'ambition, on a toujours dit qu'on pourrait faire mieux avec autant, là, ça en est la preuve. Donc voilà, mais c'est pas que ça, bien sûr. On aura aussi notre Festival des guinguettes du monde, hein, que cette année on va faire le 1, 2 et 3 juillet. Donc aussi un grand événement, alors là c'est plus l'événement festif, mais aussi événement culturel, puisqu'on veut mettre vraiment en valeur
Bah, cette richesse culturelle de la ville, ces 108 nationalités, le fait qu'on ait une ville-monde, le fait que ici, enfin voilà, que chacun a le droit de participer et chacun vraiment doit se sentir de Corbeil-Essonnes, doit se sentir vraiment appartenant à cette ville. Et ça, c'est vraiment un enjeu compliqué, mais c'est vraiment un enjeu qu'on veut travailler et qu'on essaye de travailler tous les jours. En tout cas, notre action va toujours dans ce sens. Donc, on a aussi tous les services, médiathèques, conservatoires, qui n'ont pas baissé leur budget, aussi les subventions aux associations. Donc, ce qui montre que, quand même, malgré les difficultés, malgré la crise et malgré l'ensemble des difficultés qu'on a réelles, qui sont réelles et que connaissent toutes les collectivités, bah la culture reste pour nous un pan important de notre action. Et même si on doit aller chercher de l'argent un peu ailleurs, donc là on a parlé tout à l'heure d'Artouti, on aura une délib qui va sortir après, mais qui nous permet aussi de faire financer nos actions par des entreprises privées et puis c'est tout à fait légitime, et aussi au niveau des recherches de subventions. Bon, juste pour conclure, je voulais bien insister sur notre volonté de retrouver cette ville fraternelle après la crise du Covid. Et malgré les difficultés qu'on a, nous sommes de ceux qui ont envie de partager, qui ont envie d'accueillir tous ceux qui en ont le souhait. On l'a vu avec le problème de l'Ukraine, mais on le voit depuis toujours. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Dans le respect de ce qu'ils sont, on veut que Corbeil-Essonnes, que ce soit la ville-monde dont on rêve, qu'elle est, qu'elle rayonne de ses 108 nationalités et par l'excellence qu'on va proposer. Donc voilà, c'est ce que nous avons vu le week-end dernier, c'est ce qu'on va voir pendant tout l'été aussi. Et voilà, et c'est un petit lieu de résistance contre beaucoup... de débats un peu nauséabonds qui secouent la campagne présidentielle notamment, et aussi contre ceux qui se battent pour que les riches soient toujours plus riches et qui oublient une partie de la population en route. Donc voilà, on est pour aussi cette ville fraternelle qui partage et où chacun se sent respecté et ait envie de participer à la vie publique. Merci. Merci Oscar. On va faire Jacques Picard. Oui, mes chers collègues, je vais d'abord exprimer ma solidarité totale avec Sylvain Renard, en rappelant que j'étais avec lui partie civile dans un procès qui n'est pas terminé puisqu'il est en appel, et que pour que les choses soient bien claires pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, l'opposition a trouvé un expédient pour ne pas participer au débat budgétaire. C'était facile. Rappelons que c'est dans la résidence des Pinsons qu'on a trouvé le petit carnet. Le petit carnet, vous savez, quand dans tout acte délinquant, on trouve des petits carnets, il y a toujours des comptables qui font des petits carnets sur des petites feuilles à carreaux, dans lequel il y avait une liste d'une centaine de noms ayant reçu des sommes que je n'ose même pas divulguer ici, tellement elles sont scandaleuses. Alors oui, effectivement, cette résidence était une résidence délinquante, incontestablement, et c'était aussi là-bas que le procès a révélé que se tenaient les séances de distribution d'enveloppes. Donc oui, je suis totalement solidaire avec l'expression prise par Sylvain Renard tout à l'heure. Ensuite, je voudrais parler un petit peu du point de vue des écologistes sur la structure budgétaire aujourd'hui sur laquelle nous travaillons. L'exercice du pouvoir, c'est de faire avec la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons hérité d'une structure budgétaire extrêmement fragile et dangereuse. Fragile et dangereuse parce que la dette par habitant est extrêmement importante, tu en as parlé tout à l'heure, Sylvain, je n'y reviens pas, et que la structure de la dette augmente jusqu'en 2026. Donc nous sommes aujourd'hui dans une difficulté à investir qui est extrêmement importante. Je ne saurais trop souligner aussi ma stupéfaction de découvrir que l'épargne nette était négative pratiquement jusqu'en 2026 si on continuait sur cette pente-là. C'est-à-dire la capacité, au-delà du remboursement de l'annuité de la dette, à investir avec l'argent que nous prenons en fonctionnement et en bénéfice de fonctionnement. C'est extrêmement dommageable et c'est extrêmement difficile de construire un budget dans ces conditions-là. Je ne reviens pas sur le travail qu'a fait Sylvain Renard avec les services aussi pour tenter de résoudre le problème de la taxe d'habitation liée au SIAR, sur lequel vous avez gagné et obtenu pas loin de 2 millions d'euros de rattrapage. Et d'autre part, le début de négociation avec l'État sur la prise en compte effective des probablement 56 000 habitants de la ville dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Ensuite, je voudrais parler
de la question de des ressources humaines. Parce qu'il y a deux méthodes quand on prend une alternance pour parler d'une administration des ressources humaines. Il y a celle qui fut employée en 1995. Ceux qui s'en souviennent, à l'époque, la ville à l'époque, Serge Dassault arrivant au pouvoir, avait employé ce qu'il qualifiait lui-même de dératiseur. Ce fut une terreur pendant 2 ou 3 ans sur l'ensemble du personnel communal pour faire partir tous ceux qui étaient indésirables. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons fait le choix de partir des compétences, des désirs de travailler, de partir des nécessités et des besoins. Et de ce point de vue-là, le travail que fait Frédéric Bourges pour la réorientation des métiers, l'embauche effective d'une direction générale et de DGA absolument indispensable dans une ville de cette taille, le fait de commencer à avoir aujourd'hui à embaucher des compétences en termes de transition écologique qui n'existaient pratiquement pas dans l'équipe précédente, malgré les colis fichés qu'on a pu avoir ici ou là pour qualifier l'action de la ville. Tout cela donne une politique de ressources humaines et un paquebot qui commence à bouger, parce que faire bouger le paquebot, ce n'est pas terroriser le personnel, mais c'est mettre au bon endroit les gens et les bonnes compétences pour tenter de faire bouger les politiques et adapter l'administration aux politiques que nous souhaitons mener. Donc je souhaitais souligner cet aspect qui me semble extrêmement important et redire que l'embauche de la direction jeunesse, de la directrice du développement social des quartiers, de la maison de la transition et du développement durable me semble extrêmement important de ce point de vue-là. Ensuite, je voudrais pointer l'extraordinaire difficulté que nous avons aujourd'hui avec la crise ukrainienne et la crise de l'énergie, parce que celle-ci n'a pas été anticipée sur cette commune. Je pense que Frédéric Piot ne démentira pas en disant qu'il a eu même du mal en début de mandat à avoir un listing à peu près exhaustif des consommations des bâtiments communaux. Il n'y avait pas de diagnostic effectif de la qualité d'isolation des bâtiments communaux. Et aujourd'hui, la question du budget énergie est une bombe à retardement, dont tu as dit, Sylvain Renard, qu'elle allait à peu près exploser cette année, avec, si le cours du pétrole et du gaz se maintient, un surcoût budgétaire d'un million d'euros environ. Donc il est évident que nous ne pouvons pas répondre en catastrophe à cette histoire-là et que l'investissement dans la durée sur l'amélioration énergétique du patrimoine communal est quelque chose qui dépend beaucoup des subventions de l'État. Et aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que les politiques de transition énergétique de l'État sont souvent des recyclages d'autres politiques, je pense des contrats de transition écologique en particulier, et de quelques nouvelles politiques, mais aujourd'hui elles sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre et elles sont extrêmement opaques. Et je me permettrai à cette tribune de faire une remarque. Si le rapport du GIEC est pris au sérieux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on atteindra les 1,5 degrés de réchauffement climatique en 2030, alors les collectivités sont parmi les instances, aujourd'hui les institutions, qui doivent massivement investir dans la transition écologique et dans l'isolation. Et de ce point de vue-là, ceux qui disent aujourd'hui, dans le débat national, qu'il faut impérativement sortir de la dette les investissements dans la transition écologique et dans l'isolation et dans le plan climat, me semble dans la justesse. Et de ce point de vue-là, imaginez que des grands emprunts sur 100 ans de l'Union européenne pour investir massivement dans nos communes sera la seule manière aujourd'hui de répondre extrêmement rapidement à des investissements qui sont d'une lourdeur extrême, puisque nous avons des dizaines de bâtiments à isoler dans notre commune. Donc c'est pourquoi je souligne que parmi la difficulté de construction budgétaire, il y a la difficulté de faire un plan pluriannuel d'investissement qui traîne en compte à la fois l'état, par exemple, du patrimoine scolaire, qui n'est absolument pas... du patrimoine tout court, mais en tout cas des écoles aujourd'hui qui sont loin d'être à la hauteur, je pense que Michel Moine ne me dira pas le contraire. Nous avons hérité d'un patrimoine de bâtiments éducatifs qui sont loin d'être à la hauteur. Le patrimoine lui-même n'est pas à la hauteur. De ce point de vue-là, investir, c'est aussi trouver les moyens dans le PPI de le faire, et nous sommes relativement contraints par le budget que nous avons aujourd'hui. Voilà, je voulais souligner une dernière chose. Nous avons assumé collectivement de ne pas passer immédiatement en régie sur les cantines, mais d'améliorer extrêmement sensiblement le cahier des charges du nouvel appel d'offres qui va être passé et mis en application à la rentrée 2022, si je ne me trompe, non seulement en allant plus loin que la loi Egalim, qui oblige à un certain nombre de contraintes sur la qualité des repas, sur la proximité des approvisionnements, enfin, il y a un tas de critères. Aujourd'hui, nous allons plus loin que ces critères. De ce point de vue-là, nous intégrons aussi à ce budget une somme extrêmement importante qui permettra un début d'amélioration du repas pour nos enfants. Voilà. Je pense que notre majorité assume aujourd'hui une structure budgétaire extrêmement délicate et elle le fait en arbitrant des choix qui permettent de développer progressivement notre projet politique. Et ceux qui portent ce budget doivent en être remerciés. Merci. Merci, Jacques. Michel Noaille. Oui, merci.
je m'associe évidemment aux propos de mes collègues pour remercier à la fois Sylvain et les services. Jean-Luc Raymond, puisque vous êtes le seul de l'opposition présent, j'imagine que vous aviez prévu de caractériser le projet de budget en pensant qu'il y aurait surenchère entre le groupe de Jean-François Sabel et d'Éric Breton, ça m'arrête de fille, parce que quand même, en caractérisant ce projet de budget de sans ambition, de chaotique, je reprends les termes, de pire que vos prédécesseurs, maintenant qu'il n'y a plus de surenchère entre vous, laissez-moi parler, laissez-moi, monsieur Raymond, j'ai noté, monsieur Raymond, maintenant qu'il n'y a plus de concurrence entre vous, peut-être que vous pouvez revenir à une certaine rigueur qu'on vous a des fois connue. Voilà, donc maintenant je voudrais juste relever quelques points sur la politique éducative telle qu'elle apparaît dans le budget. Il y a un nouvel organigramme. Et dans cet organigramme, il y a la création, aux côtés de la DASCO et en relation avec la DASCO, d'une direction de l'éducation qui va couvrir un certain nombre de projets, de dispositifs déjà connus, voire des nouveaux. Et donc cela témoigne, par la création de cette nouvelle direction, eh bien, évidemment, de cette ambition. Je vais très vite, hein. Deuxièmement, nous renforçons de manière totalement importante notre politique dans le domaine de la petite enfance. Qui dit petite enfance dit évidemment réponse aux besoins, on dit des 1000 premiers jours, hein, jusqu'à la scolarisation obligatoire à 3 ans, mais aussi accompagnement des parents et réponse aux besoins des parents. Cette politique que nous allons développer, eh bien, elle associe ces deux dimensions. La réponse aux besoins des enfants, et en particulier par une amélioration sensible de la formation des personnels pour répondre aux évolutions des besoins, mais en même temps l'accompagnement des parents dans la réponse à leurs besoins et aussi dans l'accompagnement de la construction de la parentalité. C'est un sujet qui devient de plus en plus présent dans les débats sociétaux qui sont les nôtres. Et c'est vrai que nous avons enfin recruté une psychologue. Ça faisait 5 ans, monsieur le maire l'a dit, 5 années que ce poste était vacant. Et la première chose qui m'a été demandée lorsque je suis allé voir les directrices de crèche en juillet 2020, c'est de recruter une psychologue qui se travaillera en contact des personnels, en contact des enfants et en contact des parents. Manque d'ambition, chaotique, pire que nos prédécesseurs, vous avez l'occasion de vous rattraper. Ensuite, poursuite de la classe passerelle, je n'y reviens pas, c'est quand même un dispositif, il n'y a que 5 classes passerelles dans le département. Cette classe passerelle, elle accueille des enfants de 2 ans. Nous avons décidé de l'installer à Langevin, parce qu'il y a un gros déficit d'équipement public sur le quartier de Langevin. Et cette classe passerelle, elle accueille des enfants dont les familles sont souvent éloignées des institutions. Et elle a pour fonction d'aider à la transition entre la famille et l'école et d'aider évidemment aussi les parents dans cette transition. Dans le domaine de l'enfance, pareil. Nous développons, nous aidons à faire évoluer les pratiques en travaillant sur 3 thèmes importants. Corbeil-Essonneville d'eau, je pourrais énumérer les projets que les centres de loisirs portent. Un partenariat approfondi avec le Louvre, que l'on retrouvera d'ailleurs dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine du scolaire et autres. Et des projets culturels, artistiques, musicaux, en particulier avec et le conservatoire, mais aussi avec des associations de la ville. Pire que notre prédécesseur, je vous laisse caractériser les choses. Et nous allons renouer avec un événement qui est encore dans la mémoire de beaucoup d'entre nous, c'est la fête des centres de loisirs, qui se tiendra le samedi 25 juin après-midi au Parc Chantemerle, et puis on pourra aller plus tard vers une fête de l'enfance. Dans le domaine du périscolaire, en particulier autour de la pause méridienne, nous continuons à améliorer ces 2 heures que nous souhaitons être des heures de sérénité, de pause, mais aussi ambitieuses sur le plan culturel. Et c'est pourquoi les structures municipales, mais également les associations sportives, culturelles, eh bien, proposent, développent des activités de relaxation, d'écoute musicale, de contes sportives, de jardinage, dans ce moment de 2 heures, entre 11h30 et 13h30. Je ne reviens pas sur la cité éducative, mais quand même, nous avons fait mieux que notre prédécesseur, puisqu'au lieu qu'elle ne concerne qu'un seul quartier QPV, elle concerne maintenant les 4 quartiers.
je m'étends pas, je pourrais répondre évidemment à des questions. Évidemment, nous avons un gros problème, c'est vrai, d'entretien et de remise aux normes des locaux scolaires, des locaux municipaux, en particulier scolaires. Nous savons qu'il y a une grande impatience, et tous les élus qui siègent dans les conseils d'école entendent ces impatiences, les relayent auprès des services, mais à l'impossible, nul n'est tenu, en termes budgétaires, en termes de compétences aussi, et l'arrivée du nouveau directeur des services techniques, évidemment, va nous aider à mener à bien les demandes légitimes qui sont portées lors des conseils d'école. Création de 5e collège, monsieur Raymond, ce dossier date de 2003, je n'y reviens pas, nous sommes en 2022, d'accord, pire que notre prédécesseur, en 2019-2020, quand nous sommes arrivés, Monsieur Durouvray, président du conseil départemental, écrivait au maire de l'époque en disant « J'attends votre proposition ». Nous n'avons pas renoncé, autre terme que vous avez utilisé. La restauration scolaire, je n'y reviens pas, puisque c'est un sujet qui est abordé par plusieurs de mes collègues. Et puis, je voudrais terminer par le lancement, dans les semaines prochaines, de l'élaboration d'un plan éducatif de territoire, qui sera l'occasion d'associer tous les partenaires possibles de la ville pour à la fois établir un diagnostic, mieux mesurer les besoins et pour pouvoir y répondre. Et je terminerai en disant que dans notre esprit et dans l'esprit qui anime toute l'équipe municipale, nous voulons que l'élaboration du plan éducatif du territoire soit l'occasion d'une contribution importante des acteurs de la ville. Et nous disons, pour nous faire comprendre, que dans notre esprit, le processus de construction sera peut-être même plus important que le produit. Parce que, évidemment, si on veut que ce plan éducatif de territoire rentre dans les faits, eh bien, il faut que les différents partenaires potentiels se sentent acteurs de ce projet. Et donc, c'est ce qui nous attend dans les mois prochains. Nous aurons quand même aussi, et je termine là-dessus, l'occasion, lors de l'élaboration du plan éducatif de territoire, d'aborder des questions politiques essentielles, qui sont devant nous, en particulier en fonction des futurs présidents ou présidentes qui seront élus, en particulier lorsque l'on entend le candidat que vous soutenez, il faut savoir que les Corbeil-Essonnoises et Corbeil-Essonnois qui nous écoutent sachent que le candidat que vous soutenez envisage de mettre en concurrence les écoles, c'est-à-dire que les directrices et directeurs d'écoles des différentes écoles de la ville pourront recruter les enseignants en fonction de leurs critères, voire même que les villes pourront décider de payer plus ou moins les enseignants. Donc imaginons la concurrence qui va pouvoir exister entre les villes riches et les villes pauvres. C'est ça qui va être aussi en discussion lors de l'élaboration du plan éducatif du territoire pour que, à Corbeil-Essonnes, dans toutes nos écoles, en particulier au Collège des Pinsons, ce soit l'école de la République qui porte fièrement les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité au service de la réussite de toutes et de tous. Je vous remercie. Bon, il n'y a pas rien dans ce budget. Alors, merci vraiment, Michel. Frédéric Bourges. Oui, bonjour. Alors, attends, parce que Fadila Chourfi voulait réagir, donc peut-être réagis comme ça, après, sera à toi. Oui, c'est juste en écho à ce que vient de dire Michel Noye. Et contrairement à ce qui a été sous-entendu en début de conseil municipal, je confirme le vote à l'unanimité par le conseil départemental à l'Assemblée du 28 mars de la session donc du terrain pour la construction du collège. Voilà, merci. Merci, merci. Frédéric. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je trouve, vraiment, je félicite l'ensemble des élus de la majorité et puis l'ensemble de l'administration par la qualité de ces derniers mois des échanges que nous avons eus les uns et les autres. Ce qui fait que là, on a vraiment une année tout à fait exceptionnelle par l'appropriation collective des enjeux. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Jacques et j'insiste, c'est qu'il y a une vision à plusieurs années, c'est-à-dire c'est ce qu'a souligné Sylvain et c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on assure aussi l'avenir est pour la commune et la population, c'est-à-dire de ne pas continuer à être effectivement dans des épargnes négatives et donc se mettre en
très grandes difficultés dans les prochaines années. Donc on inscrit la vision budgétaire et politique de cette année dans ce cadre un peu plus lointain, et je crois que c'est important de l'avoir en tête, avec y compris, et je pense que c'est tout à fait franc et honnête, de souligner les marges d'incertitude qu'il y a dans l'exécution de ce budget pour l'année 2022. Autre aspect, et c'est quand même assez important, je pense qu'il faut l'insister, on n'est pas simplement des épiciers dans le budgétaire, mais on a aussi une vision des services publics et de la fonction publique en général, et comme le dit Michel, par exemple, sur ce qui pourrait éventuellement advenir d'un démantèlement d'une vision service public de l'éducation nationale, on a besoin, et c'est vraiment, et dans le budget, dans notre volonté politique, de réaffirmer l'enjeu de la fonction publique. Et là, Jacques a tout à fait raison de pointer du doigt que les collectivités territoriales doivent jouer un rôle beaucoup plus important dans tout un tas de domaines, et notamment ce qu'on avait souligné, ce que le maire a souligné, de ces trois années décisives, si on ne veut pas vraiment aller dans le mur de notre survie planétaire. Et donc, on oublie trop souvent que les collectivités territoriales, toutes confondues, sont les premiers investisseurs en France. Et donc, couper les budgets de dotation globale, de ne pas préciser d'une façon beaucoup plus offensive un certain nombre d'ambitions de transition écologique est tout à fait irresponsable au niveau du pays. Donc ça, on le pointe et dans nos débats et on le traduit dans le budget. C'est pour ça qu'on a des études qui sont assez importantes, y compris l'étude pour le CTM qui va commencer cette année. Alors il n'est pas inscrit dans le budget, notamment l'acquisition d'un terrain ou d'aller plus en avant sur on ne va pas construire le CTM au mois de septembre, mais je rassure quand même les collègues, c'est que c'est une vision. En attendant, on ne reste pas l'arme sur le pied. Je regarde Francis, notamment Arnoux, ou Frédéric Piot et d'autres collègues qui cherchent en même temps, y compris avec l'administration, les moyens, quand même tout de suite, ça a été fait déjà un peu en 2021 et ce sera aussi le cas en 2022, d'améliorer tant que possible le travail qui est fait par les personnels au sein de ce CTM, d'améliorer les conditions de travail, de doter plus d'équipements, de veiller à la protection des agents et des locaux. Donc il y a aussi ce travail-là sans attendre un nouvel équipement. Vous avez remarqué que les dépenses de personnel sont très loin des caricatures qu'on a entendues dans les conseils municipaux précédents. Il n'y a pas une explosion, ce qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'on arrive à faire une transition vers une nouvelle administration, de nouveaux modes de fonctionnement avec de nouveaux cadres directeurs, chefs de service, sans faire exploser du tout les dépenses de personnel. Donc c'est contenu et je voudrais préciser 2-3 points par rapport à ça. Et merci Jacques. Mais c'est un travail collectif et je pense qu'il y a petit à petit effectivement quelque chose qui se consolide et qui, avec une vision aussi de la gestion de personnel, ce qu'on appelle les ressources humaines. Je le dis, c'est ce que c'est une liaison. Je comprends l'émotion et ce que peut dire Sylvain, et je partage. Il y a des blessures dans la vie là. Il y a eu des souffrances dans la ville. Elles sont souvent réanimées d'une façon bête et inutile, à mon avis, par de certains élus de l'opposition, comme on l'a vu là. C'est dommage, parce que nous, on se projette sur le présent et l'avenir. Et ce qu'on essaye de faire dans la ville avec, j'insiste, hein, l'orientation que donne Bruno sur la question de la démocratie, de la participation des citoyens à tout ce qui fait leur vie quotidienne dans les quartiers ou sur des grands projets de ville, on va aussi le déployer dans le personnel communal. Et le personnel communal, un certain nombre d'agents ont aussi subi ou connu ces périodes difficiles. Et donc nous, on s'inscrit effectivement dans ce qu'on a appelé une transition en douceur, c'est-à-dire qu'on remet au centre du service public communal la question du travail, la question du bien-être collectif. Et donc c'est très très important parce que c'est eux les professionnels du quotidien. C'est pas moi qui nettoie les trottoirs, c'est pas moi qui construit les bâtiments ou qui assure la pause méridienne du midi. Donc les assises du personnel que nous faisons là au mois d'avril, mai et jusqu'à début juin, c'est déjà de pouvoir faire en sorte que les agents soient vraiment les acteurs, quasiment les décideurs aussi de ce qu'il faut mettre en mouvement dans les services publics pour rendre vraiment les services à la population. Et ce sont eux qui sont les mieux placés pour donner leur avis, faire des propositions et que ça puisse être intégré complètement dans l'activité normale de la municipalité. Et nous, nous ne sommes pas élus pour nous-mêmes, mais nous sommes élus et pour favoriser, en fin de compte, l'intervention la plus audacieuse et professionnelle possible. Alors, je note notamment, c'est que
on a parlé de redéploiement là dans le document. Ces redéploiements, mais c'est aussi une vision plus mobile et ambitieuse d'une politique, on va dire, de formation. On a un retard considérable dans cette commune sur la question du numérique, sur les outils internes qu'on pourrait utiliser. On a beaucoup d'agents dont on pourrait beaucoup mieux améliorer et conforter leur parcours professionnel et de formation, que ce soit en bureautique, en management, en différents domaines. Et donc, cette montée en progression de qualification doit pouvoir effectivement se voir et nous rendre de dynamiser effectivement toute cette politique-là. C'est pour ça que ces efforts qu'on fait de maîtrise budgétaire sur les personnels communaux ne se fait pas, et c'est un axe qu'il faut souligner, ne se fait pas en rabiotant ou en faisant une politique d'austérité vis-à-vis des agents. Donc c'est de les mettre vraiment en situation d'être acteurs dynamiques dans leur parcours professionnel et au service de l'intérêt général. Bon, voilà quelques points que je voulais dire. Sur la cuisine centrale, effectivement, qui n'est pas dans la construction cette année ou l'année prochaine, Sylvain le soulignait dans le cadre de la discussion actuelle sur la future délégation de services publics. On y a intégré dans l'ensemble du cahier des charges deux éléments qui sont extrêmement importants. C'est la montée en puissance des formations qualifiantes et professionnelles pour les personnels dans les 3-4 ans qui viennent, pour qu'on puisse monter en maturité pour pouvoir basculer sur une régie publique à l'issue de cette délégation de services publics. Et d'autre part, c'est aussi la préoccupation sur les moyens, les locaux, c'est-à-dire l'ensemble de l'amélioration des moyens matériels et de rénovation et d'entretien, voire d'investissement. Et on aura aussi une montée en puissance là-dessus pour nous mettre en situation de pouvoir basculer correctement dans une maîtrise publique dans l'ensemble de la restauration scolaire. Sur les contentieux, dont un en particulier que vous évoquez, Monsieur Raymond, c'est un contentieux qui date de plusieurs années. On fait tout pour le contenir et, je dirais, obtenir gain de cause. Donc on ne va pas provisionner une somme qui, d'ailleurs, est complètement exagérée de votre part. Non, mais sauf M. Bourges, excusez-moi, c'est que la ville a déjà été condamnée. Vous ne... Bon. Voilà. On va laisser finir. Non, en train de conclure. Donc je conclue sur les contentieux. Donc il y a des contentieux en cours, notamment peut-être la personne dont vous évoquez, qui est un cas assez important et qui date de plusieurs années, qui a déjà été évoqué, curieusement d'ailleurs, au dernier conseil municipal. Donc vous remettez le couvert à chaque fois. Ce contentieux, tant que nous on mène la bagarre et on lâche pas prise, de telle façon qu'on puisse effectivement, que la collectivité ne soit pas en fin de compte impliquée dans la décision et qui pourrait nous coûter cher. Et donc il n'y a pas de raison de provisionner des éléments financiers dont on n'aurait pas à la charge. Mais on suit ça de très près et on espère bien obtenir gain de cause sur ce dossier. Et bien voilà, Martine, puis je dirais Martine, Francis, et après je dirai un mot, puis on pourra voter. Vas-y, Martine. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Raymond, sur une chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas la même vision du budget selon qu'on soit dans la majorité ou selon qu'on soit dans l'opposition. Pour nous, forcément, notre budget, il est sincère, parce qu'il est juste, et il vous a été clairement exposé par Sylvain Renard, ce qui montre bien que nous avons aussi la volonté d'être transparents, et nous avons la volonté aussi que ceux qui nous regardent comprennent. Parce que, qu'on soit dans la majorité ou qu'on soit dans l'opposition, les seuls juges, finalement, c'est ceux qui nous regardent ce soir. C'est ceux qui, demain, entendront ce qui s'est dit. Il n'y a que ça qui compte. Et entre vous et nous, la différence énorme aussi, c'est que nous n'avons pas la même responsabilité. Vous jouez dans l'opposition, et nous, eh bien, on est aux responsabilités. Mais ce sur quoi je voudrais revenir ce soir, parce que finalement, on aurait pu tous intervenir sur nos délégations, et je pense que le conseil municipal aurait pu durer jusqu'à minuit, rien qu'en expliquant ce que chacun faisait. Ce sur quoi je voudrais revenir, moi, c'est sur ce qui ne se voit pas, sur l'invisible. L'invisible qui ne se quantifie pas, vous ne le verrez pas sur des tableaux. L'invisible, c'est finalement l'énergie énorme qui se dégage de cette équipe, l'énergie qui se dégage de ceux qui sont derrière nous, à nos côtés, tous les jours. C'est l'investissement de des agents, justement, qui nous permettent, Frédéric vient d'en parler, et c'est aussi tout ce qui fait cette équipe, la façon différente de gouverner. C'est important, ça, je le dis, ça ne se quantifie pas,
Et ce n'est pas une histoire de, comment dirais-je, de générosité ou de naïveté ou d'angélisme, etc. C'est qu'on est au travail tous les jours. Tous les jours, on réfléchit à ce que peut-être notre délégation. Mais tous les jours, en fait, on travaille au collectif, au service des habitants. Et c'est ça que, finalement, il est insupportable d'entendre quand on est dans l'opposition. Il est insupportable d'entendre que, finalement, tout ce qu'on fait, c'est au service des habitants. Parce que vous, finalement, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites à part de nous dire qu'on n'est pas audacieux, qu'on n'est pas ambitieux ? Mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez un jour, mais je ne vais pas me taire, hein, que vous m'expliquiez un jour ce que ça veut dire pour vous être ambitieux. Parce que finalement, si nous, on n'est pas ambitieux, excusez-moi, mais moi, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Ce qui est important pour un budget, c'est qu'il soit effectivement sincère et surtout, surtout qu'il soit au service des habitants. Merci Martine. Alors, juste avant la fin, Francis, Arnoux, Laurent. Non, je vais répondre juste sur le futur CETEM, parce que ça revient tout le temps, c'est même écrit dans le magazine. Donc ça, c'est ma partie. Alors, le CETEM, c'est titanesque. Hein. On part de très loin. Hein. Comme l'a dit le nouveau DST, quand on y va, on pleure. Ceci dit, on n'a pas rien fait depuis qu'on est arrivé. Hein. On a quand même essayé d'améliorer des petites choses, juste pour la qualité de travail des gens qui sont là-bas. En passant, on a acheté une nouvelle balayeuse, on va acheter des nouveaux véhicules à la rentrée. Le personnel se sent plus respecté parce que bah, nous, les élus, on y va, on discute avec eux, alors on peut pas tout résoudre. Et puis, sur le futur CTM, en fait, on l'a décalé dans le temps parce qu'on est malin, en fait. Si on met tout l'investissement du futur CTM en début de mandat, on peut rien faire d'autre. On peut rien faire d'autre. Donc le stade Robinson, tout ça, on peut pas. Et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'achat du terrain, le terrain sur lequel on voudrait construire futur CTM, le vendeur a changé. Donc paf, dès qu'on change de vendeur, on perd du temps. Donc l'idée, c'est d'acheter le terrain sûrement l'année prochaine. Et après, effectivement, de faire des études dessus. Donc non, c'est pas enterré, c'est juste on l'a décalé parce que il y a d'autres choses à faire en investissement avant. Et on va pas manger tout l'investissement au début. Donc ça, effectivement, c'est en discutant majorité municipale et en tranchant qu'on a décidé de faire ça. Voilà. Quoi d'autre encore sur la... Donc on essaie de faire, de créer une brigade verte là bientôt qui va sortir. Ça aussi quoi, en essayant de recruter essentiellement en interne parce qu'on veut contrôler le budget. Et on fait pas rien. Mais en tous les cas, le futur CTM n'est pas fléché cette année puisqu'on va pas acheter le terrain cette année. Mais il sera fléché les autres années et il apparaîtra dans le PPI comme c'est prévu, quoi. Voilà. Donc ça, vous pouvez le dire à Monsieur Bayle qui, à chaque fois, dit n'importe quoi dans sa tribune. Voilà. Je vous remercie. Ok. Écoutez, donc, ce que je veux dire, moi, en fin de débat, là, c'est... D'abord, c'est vrai que quand je vois tous les élus de la majorité, j'ai eu la même idée, même sensation que Martine, c'est de voir à quel point chaque élu est en train de se faire un nom au regard de la délégation qu'il a dans la ville, et qu'en 22 mois, on peut être fier de l'équipe municipale qui bosse à la fois dans son quartier et au regard de la délégation qu'il a. Je ne vais pas tous les citer là, mais... C'est respecté, je crois, de dire cela, parce que c'est pour ça qu'il faut faire attention, Jean-Luc, aux propos qu'on peut dire comme ça, balancés dans une assemblée. Compris, je permets de vous le dire, nous on est quelques-uns ici à avoir 25 ans de pratique d'opposition, et ça ne suffit pas de dire sans ambition, chaotique, pire que les prédécesseurs, renoncement. Je ne suis pas sûr que je n'ai pas de conseils à donner à l'opposition, mais que c'est comme ça que, dans les années qui viennent, vous allez rassembler des corbeillers saunois sur une ambition et un projet. Je ne crois pas. Nous, on a fini par,
par gagner ici, justement parce qu'on a pu être à la fois dans l'opposition et faire beaucoup de choses, pas balancer des mots comme ça, mener des batailles politiques, une des dernières, par exemple, avant les élections, se battre pour que la poste aux Tarterets ne soit pas fermée. Voilà, il faut prendre des dossiers à bras-le-corps et essayer d'être utile aux habitants, quand bien même on est dans l'opposition. Et alors voilà, nous, on est dans la majorité. On ne va pas redire tout ce que les collègues ont donné, des chiffres précis qui montrent un budget qui a une ambition. Chaotique, je ne vois pas en quoi il l'est, parce qu'il est sincère. Et je salue au passage Sylvain encore. C'est aussi une marque politique. C'est qu'il y a une volonté pédagogique, un effort qui est fait par Sylvain depuis maintenant 2 ans, pour que ces éléments qui sont souvent difficiles à appréhender, un budget, c'est pas forcément ce qui est le plus glamour, de le rendre compréhensible. Et on s'était donné un objectif en début de mandat, c'est qu'à la fin de notre mandat, il y ait plus de Corbeil-Essonnois qui redeviennent citoyens en votant, en participant au suffrage démocratique. Et donc, il n'y a rien de chaotique là-dedans. Sincèrement, pire que nos prédécesseurs, enfin tous les exemples qui ont été donnés sur le sport, la culture, l'éducation, c'est compliqué. En termes d'urbanisme, j'ai l'impression que vous coupez. Ah bon, alors d'accord. Vous êtes si comme M. Noël, vous devez avoir des problèmes auditifs. D'abord, Michel n'a pas de problème auditif, et moi non plus, du tout. Voilà, et ceux qui en ont, ce n'est pas une tare, ça s'appelle un petit handicap. Donc on entend bien, et vous verrez, d'abord, pour l'instant, on a plutôt empêcher des nouvelles constructions qui étaient prévues par nos prédécesseurs. On avance fortement à mon conseil pour ne pas construire 3 immeubles qui étaient prévus et proposer autre chose. Pour l'instant, on n'a pas construit grand-chose et on a des projets devant nous. Et sincèrement, que ce soit ce qu'on fera à Novaxia ou au Grand Moulin ou l'Enru au Tarteret, on est plutôt fiers de ce qu'on fera. Et qui peut penser qu'il n'y a pas besoin de nouveaux logements dans cette ville? Mais bien sûr qu'il y a besoin de nouveaux logements. Vous savez, gérer la ville, c'est avoir en permanence 4000 personnes qui souffrent de ne pas avoir de logement du tout ou pas adapté à leur famille. Et donc, voilà, on a une ville dense. On n'est pas dans un village à la campagne où on veut bétonner des terres agricoles. On est dans une ville fidèle à la loi, d'ailleurs, SRU qu'avait porté Jean-Claude Guessot, c'est de reconstruire de la ville sur la ville. Il y a des mutations foncières, on va reconstruire dessus et accueillir de nouveaux habitants. Et vous verrez, monsieur Raymond, rien de ce que nous ferons ressemblera à ce qui a été fait à la papeterie avec les 1600-700 logements Bouygues. Voilà, donc renoncement, ben justement, pour l'instant, on n'a renoncé à rien. On n'a pas renoncé au collège. En 22 mois, on sort une proposition. On n'a pas renoncé au CTM, Francis l'a dit, et il va pouvoir se mettre au travail tout de suite, d'ailleurs, puisque le directeur des services techniques, ça va être un de ses principaux dossiers. Et si vous maîtrisez les budgets, on met au budget une somme qu'on va dépenser a priori dans l'année. Or, pour l'instant, on n'a pas de somme à dépenser dans l'année, et la première sera l'acquisition d'un terrain. Et on ne va pas l'acheter cette année, parce que pour l'instant, ce n'est pas mûr, et le terrain a changé de main. A priori, nous allons l'acheter à ICAD, qui a racheté lui-même à Engie le terrain de l'ancienne usine à gaz. Et vous verrez, et vous direz, merde, pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce sera dans le budget l'année prochaine. On achète un terrain. Et donc, on n'a pas renoncé. La régie publique de la restauration, les copains et les copines l'ont dit, puisque nous allons vers une régie, on va y travailler. En attendant, on reconduit. Mais on ne pouvait pas faire autrement qu'en attendant. On ne pouvait pas construire une cuisine centrale en 2 ans. Donc on renonce à rien. Je dirais même que les élus ici présents, en travaillant leur dossier, ont des idées nouvelles et même aimeraient en rajouter par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc voilà, on n'a pas de... C'est notre budget, notre travail. On peut encore toujours faire mieux, mais il y a eu 3 mois de débat, janvier, février, mars, de la majorité pour porter un budget, et ce sera la même chose l'année prochaine. Je vois des élus
qui se perfectionnent dans la maîtrise des budgets de leurs dossiers et qui sont capables de dire, comme ceux qui ont pris la parole l'ont fait, voilà, dans mon budget, il y a ça et je suis contente de le porter, quoi. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire ce soir. Peut-être un dernier mot, mais on est vraiment brave. Très court, mais, juste pour vous féliciter à tous pour votre auto-congratulation collective qui fait plaisir à voir. Mais on est content. Après, voilà. On a travaillé. Très bien. Donc, Sylvain, tu procèdes au vote. Fais-le. Donc, si vous voulez bien, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Il y a donc M. Raymond. Et qui est pour, j'imagine, les autres. Merci à vous. Merci, Sylvain, pour ton travail et à tous les autres collègues. Je tiens à le redire, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que... on n'a pas des débats qui courent encore, mais on vote un budget. Sophia, les subventions aux associations. J'ai oublié quelque chose. Oui, il y avait l'approbation de la subvention 2002. J'en ai passé plein. J'avais avancé dans mon dossier. C'est encore Sylvain. Vas-y. Alors, il est proposé, parce que les taux, ça se vote à part, hein, ça se vote pas avec le budget, c'est pour ça qu'il y a une délibération. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de reconduire pour 2022 les mêmes taux que ceux votés pour 2001 pour les taxes locales perçues au profit de la commune, c'est-à-dire pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 39,21%, pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 119,76%. Je rappelle peut-être, monsieur le maire, que nous allons avoir des administrés qui vont nous montrer une feuille d'impôt avec une augmentation, mais il faudra expliquer que ce n'est pas le taux, mais que ce sont les bases qui sont réévaluées. C'est important pour les élus. Parce que c'est toujours une question qui se pose quand on dialogue, qu'on reçoit des administrés. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, maintien des taux, sur Raymond ? Oui, Monsieur Renard, on ne peut bien évidemment que se féliciter que notre taxe foncière, qui est l'une des plus élevées du département, n'augmente pas en 2022. Hélas, je suis convaincu que vous allez augmenter notre taux d'imposition dès l'année prochaine. Vous avez d'ailleurs longuement hésité à le faire cette année. Vous n'augmentez pas non plus la taxe communale d'électricité. Sur cette taxe, monsieur le maire, une baisse significative aurait pu, pour une municipalité, j'allais dire, de gauche et d'extrême gauche, être valeur de symbole. Au vu de la crise que nous traversons en termes d'énergie, crise qui impacte bien évidemment considérablement le budget de nombreuses familles de notre ville. Monsieur Raymond, nous avons une position de fond de ne pas augmenter les impôts. Vous pouvez nous assurer ce soir que vous ne le ferez pas l'année prochaine ? Non, monsieur Raymond, ne peux pas. Voilà. Mais on se parle franchement. Bon, nous avons une volonté, mais cette volonté, elle se heurte à l'établissement de chaque budget avec des réalités. Nous avons des dotations qui baissent. Nous avons des augmentations de prix, j'en ai cité tout à l'heure, considérables. Nous avons des besoins pour répondre aux demandes des administrés. Alors, on voit ça budget par budget, année par année. Moi, je ne sais pas quelles seront les conditions dans lesquelles. Je sais que là, ça a été difficile. Oui, ça a été difficile. Et si on n'avait pas obtenu gain de cause dans l'affaire de la compensation de la taxe d'habitation, on aurait été en plus grande difficulté. Donc, on se pose les questions quand on a les données qui permettent de les traiter. Chaque année, on regarde où on en est, comment on a exécuté le budget. Bon, à l'heure actuelle, le budget, on voit déjà qu'il est inexécutable, quasiment. On sait qu'il faut dès maintenant préparer une décision modificative budgétaire. Bon, le moment venu, c'est-à-dire 3-4 mois avant le prochain budget,
Nous regarderons comment nous avons exécuté celui-ci. Nous verrons quelle est l'évolution des dotations. Il y a un changement de président de la République. Personne ne peut savoir comment les collectivités locales seront traitées. Bon. Et nous prendrons nos décisions en conscience, en expliquant la situation. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet. Très bien. J'ai rien à rajouter. Je le redis, Monsieur Raymond. On ne s'engage pas pour les années à venir, mais M. Raymond, sur la parole politique et l'importance de ce qu'on dit. Dans les tribunes du mois précédent, vous avez été nombreux à annoncer qu'on augmenterait les impôts cette année. Ben, c'était donc ça, c'est un mensonge, puisqu'on ne le fait pas. Vous dites on a hésité. C'est pas qu'on a hésité, c'est que pendant 2-3 mois, on ne savait pas, au regard des chiffres que nous avions, des batailles que nous avons menées pour récupérer 2 millions d'euros de l'État sur une compensation de taxe d'habitation, et on l'a eu, et on ne savait pas si on arriverait à boucler notre budget sans augmenter la fiscalité, bien sûr, et on a réussi à ne pas le faire pour cette année. Mais ça nous chatouille tous quand même un petit peu de le dire, c'est que... voilà, vous pouvez pas à la fois, vous faites bien ce que vous voulez, mais soutenir tous, bon, ceux qui sont partis et vous, des candidats, des politiques nationales qui disent qu'il faut encore raboter les moyens aux collectivités territoriales, et puis vouloir qu'on soit pas chaotique, qu'on ait des ambitions et qu'on renonce à rien, et en plus, il ne faut pas se donner les moyens de nos politiques. L'année prochaine, on verra. Je le dis, si pour... faire tout ce qu'on a à faire et renoncer à rien, on doit augmenter les impôts, on le fera. Voilà. Et si on peut éviter, on évitera. Et vous savez, il ne faut pas non plus décider à la place des habitants. Hier, avec Michel Noailles et d'autres élus, avec les parents d'élèves, Monsieur Raymond, beaucoup de parents d'élèves sont prêts, si c'est le choix. Ils nous l'ont dit encore hier. Certains sont prêts à payer plus cher la restauration scolaire pour que leurs enfants mangent mieux. Vous et moi, il ne s'agit pas de révéler nos vies privées, mais vous et moi, on sait qu'on est des classes moyennes et qu'on a le luxe, en plus, vous et moi et Monsa, plutôt bien manger. Et on a les moyens de bien le faire, vous voyez ? Et donc on fait un choix, parce qu'on a le choix, on a le choix de le faire, de mettre de l'argent dans notre budget restauration. Et eh ben, on ne veut pas décider à la place des gens. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Eh ben, quand on discute avec eux, ils disent « pour que nos gamins mangent mieux ». Il y avait même une maman du quartier des Tarterets qui était là hier soir et qui dit « moi, pour mes enfants, je suis prêt à tout, quoi. Je suis prêt à tout pour mes gamins, jusqu'à payer un peu plus cher ». Eh bien, si pour faire, on verra l'année prochaine, le centre technique municipal... travailler la régie pour la restauration, avoir plus d'équipements sportifs, faire toutes nos politiques. Il faut se donner les moyens, augmenter les impôts, on le fera. Si on peut éviter, ben évidemment qu'on le fera. Voilà, donc ce soir, on vote des taux. Je te laisse procéder au vote. Alors ce soir, on ne les augmente pas. Voilà. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Donc, merci, à l'unanimité. Merci, Sylvain. C'est une dernière délibération pour toi. C'est la subvention à la Caisse des écoles. Oui. Alors, il s'agit du versement pour l'année 2022 d'une subvention de 120 000 euros à la Caisse des écoles. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser le versement pour l'année 2022 d'une subvention à la Caisse des écoles de Corbeil-Essonne d'un montant total de 120 000 euros, 64 000 au titre du programme de réussite éducative et 56 000 au titre de la dotation de 200 euros versée à chacune des classes maternelles et élémentaire municipal. Y a-t-il des questions sur ce point ? Je n'en vois pas. Je vais donc passer au vote. Qui s'abstient ? Un moment d'émotion. Qui est contre ? Merci. Qui est pour ? Merci, Sylvain. Donc, voilà. Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
Fadila Chourfi, pour le Centre communal d'action sociale. Oui, donc par la présente délibération, il est demandé au conseil municipal d'approuver donc le versement au profit du Centre communal d'action sociale, qui est l'institution qui met en œuvre la politique sociale communale, d'une subvention donc d'un montant total de 997 000 euros pour l'année 2022. Il s'agit donc de permettre au CCAS d'assurer son équilibre budgétaire dans le cadre des missions qui lui sont confiées, donc entre autres par la commune, et de contribuer à financer ses charges du personnel. Juste peut-être rapidement expliquer pourquoi il y a une petite augmentation entre 2021 et 2022. C'est voulu. La ville a fait le choix donc de faire une politique sociale délibérément plus inclusive, hein, donc d'améliorer les conditions autant que faire se peut, même si je pense que certains des habitants considèrent que ça n'est jamais suffisant, mais on essaye donc d'améliorer l'accès aux prestations donc du CCAS. On a également décidé d'adhérer au CLIC, que résonne le CLIC pour les personnes qui ne savent pas, c'est un service qui permet de veiller au maintien à domicile des seniors et donc qui permet de coordonner les différentes actions. Ça sera beaucoup plus fluide une fois qu'on sera adhérent à ce CLIC. Et enfin, c'est aussi la conséquence de la délégation de services publics pour les repas, puisque le portage des repas sera, pour les personnes âgées qui aiment bien aussi la qualité, assurée par le CCAS. Voilà. J'ai tout dit. Avez-vous des questions ? Non, je fais juste une remarque, parce que je... Le diagnostic social qu'on a eu, Fadila, j'en ai dit quelques mots, nous montre à quel point les corbeillers saunois font partie de ceux qui souffrent le plus des inégalités sociales. Je voulais aussi te remercier parce que le CCAS, on n'en parlait plus beaucoup dans cette ville. C'est le bras armé de mener nos politiques sociales. Il s'est fait remarquer depuis 22 mois sur de nombreux sujets. Pas que le centre d'hébergement d'urgence, mais de nombreuses politiques. Et donc, merci à toi de redonner... voilà, le social, c'est pas un gros mot, c'est pas sale. C'est au contraire le sens du service public, d'agir pour ceux qui en ont plus besoin. Et donc, je voulais saluer ton travail à la tête de cela. Voilà. Vas-y, tu peux procéder au vote. Du coup, on peut procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. Je suppose que les autres votent pour. Merci à toi. Sophia Louz, à toi. Bonsoir. Donc, on va présenter ce soir les subventions, la subvention 2022 aux associations de Corbeil-Essonne. Donc, comme vous le savez, nous avons fait un choix de maintenir la même enveloppe que l'année dernière, pour les associations qui ont été sollicitées tout au long de l'année, qui ont travaillé en étroite collaboration avec la municipalité. Donc la commune de Corbeil-Essonnes porte une attention toute particulière à la situation des associations qui lui sont partenaires et qui sollicitent une subvention municipale. Les subventions sont octroyées aux associations de Corbeil-Essonnes afin de concourir au développement de la vie associative et à l'intérêt public local. Conformément aux dispositions du décret 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, des conventions doivent être conclues sous forme de contrats d'objectifs avec les associations qui bénéficient d'une subvention dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros. Il est utile, bien sûr, si les personnes présidentes des associations ou membres d'associations donc ils s'abstiennent, aux membres du bureau, pardon, ils s'abstiennent donc de voter.
Ensuite, il est utile de rappeler que certaines associations ont reçu un acompte ainsi que des subventions sur leur subvention 2022. Ces acomptes sont intégrés dans les subventions 2022, faisant l'objet de la présente délibération. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des questions ? Après, qui s'abstient ? C'est pas une question que j'ai, c'est plutôt une remarque que je voulais faire. Bonsoir à toutes et à toutes. J'ai longuement réfléchi à comment j'allais prendre part au vote aujourd'hui, non pas concernant que cette délibération, mais un ensemble de délits qui nous ont été présentés. Et finalement, je pense que je vais voter pour, mais je tiens à préciser que j'ai pas envie de faire partie de ces maires adjoints qui, lorsque on leur présente des choses, disent « je sais pas et je suis pas au courant ». Donc, ne pas être d'accord avec quelque chose est une chose, mais ne pas savoir en est une autre. Donc, on peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais je tiens à ce que nous soyons tous au courant de ce qui se passe. Ok ? Donc, pour cette fois, je vote pour ne pas faire injure au travail qui est fait par mes collègues ici présents et l'administration, mais je pense qu'il est important qu'on puisse tous échanger sur tout. Voilà. Ok, d'autres remarques ? Vas-y, qui s'abstient ? Qui est contre ? Pardon ? Oui, il y a ceux qui ne prennent pas part au vote parce qu'ils sont membres de l'association. Qui est pour ? Pour celle, voilà. Ok. Merci, Sophia, pour ton travail. Il y a une délibération qui n'aura pas lieu. C'était la demande de validation du contrat d'aménagement régional, je crois. Et donc, c'est Oumar, politique de la ville, approbation de la programmation de deux opérations d'investissement et des plans de financement correspondants. J'en oublie une ? Pardon, excuse-moi. Allez, on va la retirer, celle-là, justement, c'est pour ça. Vas-y, tu peux y aller. Donc, depuis 2020, la commune de Corbeil-Essonnes est éligible à la dotation politique de la ville, DPV. Donc, à ce titre, la commune de Corbeil-Essonnes a présenté à l'État un projet de programmation de deux opérations d'investissement suivantes. Donc, la première opération est le remplacement de l'éclairage du stade Robinson, à un montant prévisionnel des travaux de 370 000 euros hors taxe. Un deuxième projet de création d'une voie de circulation et d'extension de la cour de l'école maternelle Simone Veil pour un montant prévisionnel des travaux de 811 000 euros hors taxe. Donc cette dotation politique de la ville, c'est la même dotation à laquelle l'année dernière on avait soumis deux projets. Le premier qui était la création des parcours sportifs qui sont depuis cette semaine en concertation sur la ville. Et le deuxième était des projets de rénovation des maisons de quartier, mais qui n'a pas été retenu. Donc ce sont des projets qu'on dépose auprès de l'État, de la préfecture plus précisément, et qui sont donc sélectionnés ou non en fonction de l'intérêt qu'ils en ont pour les quartiers en politique de la ville. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le projet de programmation précité, à savoir le remplacement de l'éclairage du stade Robinson et la création d'une voie de circulation et d'extension de la cour de l'école maternelle Simone Veil, et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'État les subventions pour chacune d'entre elles et à signer tout document qui en serait la suite ou la conséquence. Merci. Vas-y, je te laisse faire. S'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui
Qui s'abstient? Qui est contre? Bon, tout le monde a l'air pour. Merci Oumar, et nous irons ensemble à Paris le 5 mai défendre tout le projet en rue, donc devant l'État. Et on a encore des choses à caler, et je suis très content que la directrice de l'ANRU, je ne suis pas sûr que dans l'histoire de Corbeil-Essonnes, il y ait un directeur de l'ANRU qui soit venu à Corbeil-Essonnes, en tout cas, la directrice de l'ANRU viendra visiter le quartier dans les jours qui viennent. Ensuite, Hervé Jacques. Je recommence. Acquisition et mise en place de 3 caméras nomades. Dans le cadre du soutien régional de lutte contre les dépôts d'ordures sauvages et celui du département de l'Essonne, via le fonds propreté, la commune de Corbeil-Essonnes souhaite faire l'acquisition de 3 caméras nomades pour un montant prévisionnel de 49 139,97 €. Il est dès lors à proposer au conseil municipal d'approuver le projet d'acquisition précité et d'autoriser monsieur le maire à effectuer toute démarche de recherche de subvention auprès de tout organisme, notamment auprès de la région Île-de-France et du département de l'Essonne, pour un montant total de subventions représentant 80% du budget prévisionnel, soit environ 39 311,97 € hors taxes. Y a-t-il des questions ? Non. Ah, Jacques, qui veut faire durer le plaisir ? Non, je ne vais pas le faire durer le plaisir. Non. Grâce au départ de l'opposition, on va avoir un conseil municipal rapide. Enfin bon, il en reste quand même. Non, je vais dire quelques mots sur le fait qu'il y a déjà eu en conseil municipal des votes individuels sur des hésitations sur la question des caméras. C'est mon cas, il y en a peut-être d'autres qui diront. Pour sur celle-là, je crois que c'est essentiellement la question des dépôts sauvages qui est concernée. Et effectivement, c'est une telle difficulté qu'effectivement, c'est des cas où je suis absolument pour la pose de caméras ou l'utilisation de caméras. Pour le reste, je suis extrêmement prudent sur la contribution effective des réseaux de caméras de vidéosurveillance à la sécurité. Et je ne le fais pas à la légère, parce que j'avais fait un travail extrêmement long, qui est toujours disponible à la région Île-de-France à l'époque, sur le rôle de la vidéosurveillance dans l'ensemble des dispositifs de sécurité sur la SNCF et la RATP. Et là-dessus, il y a plus qu'à dire, mais ce rapport avait été enterré à l'époque quand Mme Pécresse est arrivée. Merci Jacques. Bon. Bon, effectivement, l'avantage des caméras nomades, c'est quand la problématique, notamment des déchets sauvages, se déplace, on déplace également la caméra. Vas-y, procède au vote. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Voilà, et merci pour ton travail, Hervé, puisque travail de sécurité qui commence à porter des fruits, il y a beaucoup à faire. J'ai reçu aujourd'hui un mail de félicitations, de remerciements plutôt, pas de félicitations, des personnes qui vivent vers Essonnes, puisque c'est récurrent. Mais le travail de la police municipale, la zone bleue qui arrive, fait qu'il y avait un peu de mieux. Et donc, je te transmets ces remerciements des habitants. À toi, Martine. Voilà, je donne ça. Tiens, Oumar. Alors, modification de la délibération du Conseil municipal du 17 novembre 2021 relative à la désaffectation au déclassement du domaine public communal et à la cession des parcelles cadastrées section BT numéro 411P, 414P et 429P, 6 avenue Strat-Kelvin à Corbeil-Essonnes au profit d'Adoma. Donc le 17 novembre dernier, nous avions délibéré sur la désaffectation, le déclassement du domaine public de ces trois parcelles au profit d'Adoma. La promesse de vente a été signée le 17 décembre 2021. Or, il s'avère qu'il y a eu une erreur dans l'arpentage, puisque nous avons vendu 3111 mètres carrés à Adoma. Et en fait, il s'agissait de lui vendre 3115 mètres carrés. Donc, nous avons procédé à cette vente. Et enfin, pour procéder à cette vente, il faut qu'on en délibère. Donc, si vous avez des questions. Non, juste une remarque quand même, parce que, voilà, là encore, puisque c'est l'occasion de vérifier que des individus, des êtres humains qui vivaient dans 8-9 mètres carrés... 7,5. Ouais. Parce que moi, ça me touche, ça m'émeut. Il n'y a rien de chaotique
à délibérer pour que, dans le mandat, il y aura la construction de deux nouveaux foyers à Doma, tout neufs à Corbeil-Essonnes, avec des chambres entre 25 et 30 mètres carrés, et que c'est, voilà, c'est la dignité retrouvée pour ces habitants. Je passe au vote. Tout le monde est pour cette ce rectification. Merci. Martine. Alors, une délibération suivante est la constitution de servitude au profit de la société Enedis pour le poste de transformation de courant électrique situé rue de la Papeterie à Corbeil-Essonnes. Il est simplement proposé au conseil municipal d'approuver cette constitution de servitude au profit de la société Enedis pour le poste de transformation de courant électrique installé sur une emprise d'une superficie de 16 mètres carrés environ. C'est donc une... par cette délibération, on autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire, notamment l'acte authentique de constitution de servitude. Voilà. Merci. Tout le monde est pour ? Ça marche. Martine, encore sur le périmètre de prise en considération, un dossier dont on va beaucoup parler dans les mois et années à venir, Pomme-chou. Oui, c'est une délibération qui est importante. Parce que en instaurant un périmètre de prise en considération sur le secteur de la papeterie à Corbeil-Essonnes et précisément sur l'ancien site de Pomme-chou, nous souhaitons, pour maîtriser cet urbanisme et éviter qu'il y ait des trop gros appétits, je dirais, ce périmètre qu'on instaure autorise Monsieur le maire à rediscuter avec les promoteurs qui diraient bon ben voilà moi je veux faire 240 logements, 300 logements, etc. Donc c'est pour effectivement réduire cet urbanisme et pour mieux le protéger et surtout pour moins dédensifier. D'identifier, c'est dur à dire. Hein, des fois, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas non plus. C'est comme deux mots. Hein, ouais. Donc, et surtout, que permettre la mise en valeur des berges de l'Essonne et de permettre aux habitants de se réapproprier l'Essonne à cet endroit-là. Donc, c'est prévu dans la nouvelle modification du PLU pour laquelle vous avez été informé dans le journal. Donc, voilà, je rappelle que dans l'ancienne majorité, il était prévu sur Pomme-chou un projet de 240 logements. Tout ceci est devenu impossible. De plus, on impose dans le nouveau PLU un retrait de 10 mètres pour la construction par rapport aux berges, alors qu'avant c'était de 6 mètres. Donc, vous voyez que là, on protège aussi les Essonnes. Et donc, je vous invite à voter cette délibération. Monsieur Raymond. Oui, monsieur le maire, quand vous instaurez un périmètre de prise en considération dans un quartier, c'est jamais très bon signe. Et souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt, comme vous l'avez fait pour notre cœur de ville, ou en détournant le code de l'urbanisme et à coup de modifications partielles de notre PLU, vous vous apprêtez à valider la construction de 1300 logements sur les sites des Lyots et des Grands Moulins, et ce, sans révision globale de notre PLU, sans enquête publique, préférant vos pseudo-réunions de concertation. Sur le secteur qui nous intéresse, sur le secteur de la papeterie, et plus particulièrement sur l'ancien site Pomme-chou, vous nous dites vouloir réduire le nombre de logements de 240 à 150, c'est une très bonne chose, mais dans ce quartier déjà très dense, c'est pas 150 nouveaux logements qu'il vous faut faire, monsieur le maire, mais zéro. Un quartier qu'avait vendu Serge Dassault comme un écoquartier, qui compte déjà 1600 logements, sans avoir les infrastructures de loisirs, d'équipements, d'espaces verts, en adéquation avec le nombre d'habitants. Un quartier qui se meurt, dont le prix du mètre carré ne cesse de baisser. Alors oui, monsieur le maire, ces 150 logements supplémentaires, c'est peut-être la goutte d'eau de trop pour les habitants. J'avais prévu, en ce qui me concerne, dans mon programme, un verger municipal à disposition des habitants, quoi qu'il en soit, sur des terrains qui, initialement, sont des terrains à vocation économique. Il serait vraiment souhaitable d'y instaurer un îlot de fraîcheur pour le bien-être de tous les riverains. D'autant plus, vous allez pouvoir peut-être nous donner des précisions, qu'il semble que les terrains d'INAPA qui sont juste derrière
Il est en train de se préparer une grosse opération immobilière qui va encore densifier ce quartier, si vous ne faites rien. Merci, Monsieur Raymond. Rapidement, parce que c'est un dossier intéressant, mais qui est juste en gestation. Italia, elle est là, voilà. Je pense à Italia, parce que dans notre campagne électorale, et c'est bien qu'on puisse reparler de campagne électorale, c'est pas des gros mots, quoi. On va discuter avec les gens sur ce qu'on veut faire. Et j'avais été marqué, c'était d'ailleurs aussi, on présentait un film de paroles d'habitants dans le bar La Taverne, dans le quartier d'Anacel, juste en face de l'entrée de la rue Jean Bouvet qui va vers Pommechou. Et j'avais été marqué par des habitants, beaucoup étaient âgés d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une grande diversité d'habitants dans ce quartier. Il y a des jeunes couples dans les logements sociaux, et puis il y a les vieux logements au-dessus de la rue de la Papeterie. Là, il y a des gens qui, ça fait des 30-40 ans, qui vivent là. Et puis il y a tous les nouveaux dans le quartier de Bouygues. Et alors, sur le constat que le fait que le quartier se meurt, ça c'est clair. Ça, c'est pas de notre faute. Nous, on arrive, il y a un quartier qui meurt parce que l'ancienne municipalité a laissé bétonner 1700 logements et très peu de commerces, pas de services publics. Voilà, ça, c'est le constat. Nous, on arrive. Et je souhaite que dans le mandat, il se passe quelque chose. Pour plein de raisons, mais c'est ça qui fait que la politique, ça peut être beau. C'est qu'on peut faire bouger les choses. Dans ce quartier, Pommechou, il y a des gamins qui vont dans une école neuve depuis... On l'a inaugurée quand, tu sais, qui était de 5, 6... Genre 2007. En 2007... 16, pardon, oui, 16. 2016, donc 6 ans, ça. On a inauguré une école toute neuve, avec quasiment déjà un terrain vague en face. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais je le dis, un camp squatté de gens du voyage, un terrain vague dangereux, qui n'était pas clôturé, on a fait mettre une petite clôture, nous, mais une rivière Essonne qui pourrait être magnifique, qui est vraiment pas belle, et des gamins qui, donc, il y en a, ils ont déjà quitté l'école, 6 ans, enfin, certains, et ils n'auront été scolarisés. Écoutez ce que je dis. Vous vous rappelez tous quelle ambiance, quel environnement vous aviez quand vous étiez à l'école primaire. On se rappelle. Là, il y a des gamins, ils auront passé leur enfance dans un no man's land. Alors peut-être que l'école était neuve, elle a dû avoir des fuites, mais enfin, autour, tous les jours, les mômes, avec leurs parents, ils vont dans un no man's land. D'accord ? Et c'est là où la politique, ça peut pas être, Monsieur Raymond, des déclarations comme ça, à l'emporte-pièce. Vous voulez faire un verger, d'accord? Le terrain, il appartient à Monsieur Quattruzzi, très connu à Corbeil-Essonne, et qui en travaille. Forcément, c'est le monsieur qui a fait Marché Frais. Compliqué de pas le connaître. Et qui est propriétaire de plusieurs biens à Corbeil-Essonne. Il est propriétaire. Donc, vous savez, quand on gère une ville, on n'a pas 15 000 solutions. Soit on l'exproprie pour faire un verger, hein, si c'est un verger qu'il faut faire. Hein. Moi, pour l'instant, je n'ai pas entendu un seul habitant qui m'a dit qu'il voulait un verger. Quand on discute avec les habitants, Italia et ceux qui fréquentent le bar et tous ceux qui vivent dans le coin, ils disent qu'ils veulent un cœur de quartier. Parce que, à mon conseil, l'ancienne mairie a bétonné 10 000 habitants, il n'y a pas de cœur, on va y travailler, à mon conseil. Tarteret, c'est tout ce qu'on a fait avec les élus pour retrouver des centralités dans le quartier des Tarterets, il n'y en avait plus. Et alors, entre la rue de la Papeterie, la Nacelle, et la Papeterie et Pommechou, plus rien. Pas un distributeur d'argent, rien, c'est ça qu'ils veulent les gens. Chez toi, il y a 2 ans, il n'y en a pas un qui a dit « Monsieur futur maire, on veut un verger hein. ». Ils veulent un cœur de quartier, des commerces. Le nombre de bars qu'on fermait dans cette rue. Ils veulent des commerces, des services publics, etc. D'accord ? Ça, c'est la demande.
quand bien même vous auriez fait un verger, allez voir Monsieur Quattruzzi, il en veut, c'est pas secret, hein, 4 millions d'euros de son terrain. 4 millions d'euros. Donc avec les finances qu'on a, c'est ça la politique, Jean-Luc Raymond, c'est de dire, ben moi... Monsieur le maire, vous... Non, non, vous... je finis. Non, mais ça va, non, je finis mon raisonnement. Oui, mais ben, soit on l'exproprie. Pas... Non, je finis parce que on nous écoute, je veux que les gens comprennent ce que... Mais justement... Je finis, s'il vous plaît. Soit vous expropriez, mais il faut 4 millions d'euros, ce que Monsieur Quattruzzi... Alors si on exproprie, c'est une procédure qui prend des années, et alors dans le mandat, il ne sera rien passé, et il y aura une nouvelle génération de gamins qui auraient été dans un no man's land pour aller à l'école. C'est ça, la vérité. Hein? Soit vous l'achetez, mais est-ce qu'on a 4 millions d'euros, nous, la ville, 4 millions d'euros pour acheter le terrain? Ça, c'est concret. Soit il va le vendre à quelqu'un qui va fabriquer un quartier. Et c'est là où la politique, elle intervient. C'est le même débat que pour les grands moulins. J'en discutais avec Michel Noy, on s'est croisés à l'étage cet après-midi, que Novaxia, la politique, ça consiste à dire la ville, elle n'a pas les moyens d'acheter 15 millions d'euros, Elio, on n'a pas encore le chiffre, hein, 6, 7, 8 millions d'euros, les grands moulins, 4 millions, Pomme-Chou, n'a pas les moyens d'acheter ça. Et donc, on discute avec ceux qui achètent et avec nos règles d'urbanisme, etc., et une économie du projet qui doit être possible, on essaye de fabriquer de la ville. Donc devant nous, je le dis parce qu'il y a même une pétition qui est partie, et c'est sympa, mais enfin, nous-mêmes, on ne connaît pas le projet, alors je ne sais pas contre quoi est la pétition, mais le projet, on ne le connaît pas. On est en train d'y travailler avec nos architectes conseils, on regarde. On a en tête le fait que le monsieur, il veut vendre 4 millions, et donc, il faudra quand même qu'il y ait une économie du projet. Il y aura du logement, oui. Combien, on verra, j'en sais rien. Des commerces, je l'espère. Des services publics, je l'espère. Et la petite dernière, que vous ne connaissiez peut-être pas, c'est qu'autour de la maison de maître, quand on rentre dans la rue Jean Bouvet, il y a cette belle maison de maître. Il y en avait une autre en face, d'ailleurs, par l'ancienne mairie qui l'a vendue à l'heureux symbolique, quasiment, donc elle l'a donnée, je ne sais pas bien à qui. Et la maison de maître, on a découvert depuis 22 mois qu'il y avait des permis de construire qui bétonnaient autour de la maison de maître, qui est en travaux depuis je ne sais pas combien d'années, et qui a changé de main. C'était Bouygues qui l'avait acheté, qui l'a revendu à d'autres promoteurs, qui l'ont revendu à d'autres promoteurs. Ça, c'est la réalité. On est loin du verger, hein, d'accord ? Et donc, ce que nous sommes en train de faire, pour finir, ça me permet, puisque c'est des dossiers... Comme tous les élus ont leur délégation, ça me permet d'être dans une réunion de majorité et de dire exactement où on en est. C'est que ce qu'on est en train de faire avec nos conseils, et ils sont bons parce qu'ils sont balèzes pour faire ça, hein, on essaie, je vous le dis, de casser les permis de construire qui ont été accordés par nos prédécesseurs. Et pour casser un permis de construire et pas se planter financièrement, il faut être bon. Et on va empêcher de construire autour de la maison de maître. Et on va essayer de construire un cœur de quartier où il y aura du logement, entre autres, sur le terrain de Pomme-Chou. Et on a d'autres idées, puisque je me laisse entendre qu'il pourrait peut-être y avoir une ferme pédagogique dans le coin aussi. On regarde pour que ce soit un projet équilibré. Voilà où on en est. Et c'est pour faire ça et calmer le jeu des ambitions financières des uns et des autres qu'on fait avec Martine Soavi un périmètre de prise en considération du secteur. C'est ça, exactement là où nous en sommes. Monsieur Raymond ? Oui, je reviens donc sur cette délibération. Vous devez savoir, monsieur le maire ou madame Soavi, qu'il existe ce qu'on appelle le droit de préemption. Mais vous faites croire, monsieur le maire, aux gens qui nous écoutent, vous faites croire aux corbeillers et sonnois depuis des mois, que si vous aviez préempté le terrain d'Elio Corbeil, ou ce terrain, vous l'auriez payé 15 millions. C'est faux, monsieur le maire. Vous l'auriez payé le prix de l'estimation des domaines. Et En ce qui concerne Elio Corbeil, c'était un terrain industriel. L'expertise des domaines aurait été aux alentours de 3 millions. Donc la ville de Corbeil-Essonne aurait pu acheter les terrains d'Elio Corbeil pour 3 millions d'euros.
D'abord, excusez-moi. Vous n'avez pas jugé utile de préempter Monsieur Raymond, quand bien même, d'abord, 3, 4, 5 millions d'euros, attendez, dans le budget de la ville, vous les auriez pris où? Vous avez su trouver... Non mais sincèrement, c'est ça, gérer la ville. Nous, Monsieur le maire, vous avez su trouver 2 millions et quelques... Pour faire un collège? Pour acheter... Ah ben c'est pas pareil. Vous n'auriez pas pu le faire là? Le collège? Ben, sur 4 hectares? Ah, pas non, sérieux. Ah non, mais pas que ça. Non. Vous faites croire que le droit de préemption vous oblige à acheter les terrains au prix qui sont vendus. C'est faux, Monsieur le maire. Le prix des le domaines, droit de préemption, c'est les domaines qui fixent le prix. Donc le terrain de Pommechou, c'est exactement la même chose. C'est un terrain commercial. Donc il va falloir le changer d'affectation. Donc vous pouvez très bien le préempter, faire une DIA et le faire expertiser. Et je suis persuadé que vous ne le paierez pas mais 4 millions. Donc projet, ne faites pas croire Raymond, au Corbeil-Essonnois. Notre projet n'est pas un verger. Je suis désolé. Non, mais votre projet, c'est de construire. Vous c'est avez de construire, laissé... de refaire attendez. Des appartements. Mais attendez, non, mais oui. Un cœur de quartier. Voilà. Ouais, voilà. On sait, je crois qu'on sait... Hélène et Jacques, c'est pas parce que... Voilà, on y va, et puis on vote. Et Martine aussi, Cura. Martine, tu pourras parler des domaines, de l'intervention des domaines sur l'évaluation. Je voulais vous rappeler, Monsieur Raymond, concernant un verger, que ça aurait été des travaux quand même vraiment importants de construire un verger sur cet endroit, hein, qui est quand même extrêmement artificialisé. La première chose... Est pollué. La seconde chose, c'est qu'il y avait un verger... sur le coteau, un verger patrimonial. Quand nous avons, dans un autre temps, suggéré à l'ancienne équipe de préempter ce verger pour en faire quelque chose d'écologique et de maintenir l'activité de verger, nous n'avons trouvé aucun écho. Il a été tiré uniquement 10 arbres de ce verger, qui ont été déposés dans un endroit et qui, 15 jours après, étaient volés. Hein? Donc là, on aurait gardé ce verger. C'était un verger. Les arbres étaient là. La terre était là. Il y avait une tradition dans ce verger. Bon, donc, reconstituer un verger, quand on voit le travail des associations qui, justement, aident à... rénover des vergers anciens et autres, c'est un gros travail. Non, mais madame, merci. Non, il y a monsieur Picard qui est inscrit. Voilà. Non, ici, justement, on demande la parole. Justement. Et généreusement, on la donne. Justement. Monsieur Picard. Monsieur Raymond, un petit peu d'ordre, un petit peu. Franchement. Non. Ça pose la question de fond. Qui est la capacité des communes aujourd'hui à maîtriser leur foncier face à des gens qui sont des propriétaires de terrains à hauteur de plusieurs millions d'euros de toute façon. Et j'ai parlé tout à l'heure de la difficulté extrême de construire un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, où s'entasseraient des millions. Ça pose la question de savoir est-ce qu'il existe des organismes qui ont une capacité de portage foncier dans la durée pour faire des réserves foncières. La seule remarque que je ferai à ce stade, c'est que le périmètre de prise en considération permet effectivement de différer l'opération. Oui. Permet de différer l'opération et d'organiser un débat autour de l'aménagement de cet espace, des besoins qu'il peut y avoir. La seule remarque que je ferai à ce stade, c'est que, et sur le projet Hélio, et sur le projet éventuel à cet emplacement-là, la question de l'activité, et pas uniquement du logement, est posée. Et qu'il y a aujourd'hui un besoin de locaux d'activité sur cette ville, et de locaux d'activité de qualité, et que peut-être c'est une des solutions qui permet d'avoir un urbanisme qui ne soit pas un urbanisme prédateur. Merci, Martine Souavi. Bon, alors, un dernier mot. Oui, vraiment, dernier mot, Madame Pavamani. Quand je parlais de verger, c'était un exemple, on aurait pu dire un parc. Ah. C'est en fait un îlot de fraîcheur. Donc, comment Jacques... Picard, tu peux être contre un îlot de fraîcheur dans un quartier qui n'a aucun parc
qui n'a aucun espace vert. Comment Jacques Picard, Jean-Luc, un îlot de fraîcheur. On est en train de mettre Tu préfères 150 appartements. Là, il faut. Est-ce que je t'ai dit ce que je préférais? Je n'ai rien dit. Et d'autre part, quel que soit l'urbanisme ou le quartier en question, la question de l'inclusion d'îlots de fraîcheur dans un urbanisme donné se pose. Bon, oui. Concevoir des îlots de fraîcheur, ce n'est pas ne pas construire. C'est intégrer les îlots de fraîcheur à tous les niveaux de la conception urbanistique du quartier. Oui, certes. D'accord, donc on peut... Voilà. Certes, mais en l'occurrence, dans ce quartier, on est déjà dans un quartier qui est urbanisé, qui est très dense et qui n'a aucun îlot de fraîcheur. Jacques, excusez-moi, parce que sinon on va y passer le... Qui n'a pas de part. Merci. Mais Monsieur Raymond, d'ailleurs, vous étiez maire adjoint. Nous sommes des êtres avec une cohérence de parcours politique. Vous avez été maire adjoint de Serge Dassault au moment où se travaillait le dossier de la papeterie, où là, des îlots de fraîcheur, on aurait pu en faire quelques-uns. Aujourd'hui, il y a 1764 logements. D'accord ? Donc, comme occasion manquée d'îlots de fraîcheur, vous en connaissez un rayon. Nous... On va répondre à la demande des habitants. Les habitants, ils veulent un cœur de quartier. Avant de donner la parole à Martine Soavi, vous verrez, et dans les grands moulins, Monsieur Raymond, vous parlez d'activité, il y aura 250 emplois dans les grands moulins, et beaucoup plus de verdure qu'il n'y en a aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive sur Novaxia, beaucoup plus de verdure, d'espace vert et d'îlots de fraîcheur qu'il y en a aujourd'hui sur un site qui est bétonné à 100%. D'accord ? Donc vous verrez, nous gagnerons en îlots de fraîcheur dans cette ville. Martine, tu voulais dire un petit mot ? Oui, je voulais revenir sur le périmètre de prise en considération. Vous avez dit que c'était pas bon signe quand on mettait un endroit en périmètre de considération. Moi, je veux vous rappeler que le boulevard Kennedy, en 2010, au PLU de 2010, a été placé, à l'époque, ça s'appelait périmètre d'études. Et heureusement qu'on a été entendu, heureusement, parce que sinon, le boulevard Kennedy serait exactement comme le boulevard Henri Dunant. Exactement. Sur le verger, petite histoire aussi, quand l'association des riverains du boulevard Kennedy a demandé à déposer un projet de verger partagé, quand les vergers boulards ont été... détruit. On a été entendu par le maire, on a déposé le projet. La semaine d'après, il y avait 12 places de parking à la place du Verger. À 3 500 € la place de parking. Place de parking ne qui ne sert... pas de... Non, mais ne je me parlez parle pas de ce pour café. L'instant... Je n'appartenais pas à cette équipe, je n'ai pas été sur sa liste. Un périmètre et je me suis maintenu en considération. Non, mais Jean-Luc, je dois prendre monsieur Raymond à laisser parler les gens jusqu'au bout. Parce que je vous empêche de parler là. Les gens n'ont pas compris ce que vous avez dit. Donc, justement, 12 places de parking, dont une place pour les bus. Bon, si ça, c'est pas une volonté de confisquer aux gens la possibilité d'avoir des espaces de respiration, j'en ai la preuve. Oui, un périmètre de prise en considération avec la possibilité d'un sursis à statuer, c'est extrêmement important. Ça nous protège. Et il faut arrêter de balancer des anathèmes comme ça, qu'on bétonne, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Non, il faut voir après. Et vous aurez la possibilité, à la révision du PLU, de venir parler et de dire ce qui ne va pas. Mais en tous les cas, cette délibération protège la papeterie, cet espace. À la révision du PLU, bon. Madame Soavi, partielle, sans enquête publique. Faites une enquête publique. Mais il y a une enquête publique, qu'est-ce que vous racontez avant? Bien sûr qu'il y a une enquête publique. Il faut écouter les délibérations. Monsieur le maire, je vais vous donner les dates. Sur un conseil municipal, il y a deux mois, en public qu'il n'y aurait aucune enquête publique. Mais c'est faux. Monsieur Raymond, je vois que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est bien. Vous êtes jeune encore. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Il y a plusieurs types d'enquêtes publiques. Il y en a une en cours en ce moment. Et il y aura des révisions... Je l'assume partiel et je suis très content parce que l'opposition ne souhaite pas que les projets se réalisent, mais nous, on est impatients de voir les grands moulins se réaliser
et le dossier Novaxia se réaliser aussi. Et donc, il y aura des révisions légales et partielles. Voilà. Et je le redis aux amis de la majorité aussi, sur mon conseil, vous verrez, ça, c'est pas bétonné, c'est le contraire. Je suis impatient qu'on délibère pour acter que les 3F, en fait, ne construisent pas 3 immeubles. Ils sont en pourparlers avec l'hôpital qui vend l'ancienne école d'infirmières, d'accord ? Où ils pourraient construire peut-être des logements uniquement dédiés au personnel de l'hôpital sud-francilien. Il y a aujourd'hui des dizaines et des dizaines d'infirmières, enfin, tout un tas de métiers de l'hôpital, qui viennent de très loin en voiture bosser à l'hôpital. Ils pourront aller travailler en vélo électrique en habitant Corbeil-Essonne. Et si les 3F font cette opération avec l'hôpital, hein, ils achètent l'ancienne école d'infirmières pour y faire du logement soignant, là. D'abord, ils nous laisseraient jouir, je l'espère, des deux autres propriétés qu'ils ont, une forêt vers le chemin du CGB et l'ancienne maison du directeur boulevard Henri Dunant avec ce beau parc qui va jusqu'à l'école Pasteur où ils pourraient ne rien se faire en attendant. Et nous autoriserait à ne pas construire 3 immeubles à mon conseil et pour le coup là, créer des îlots de fraîcheur en agrandissant le parc de mon conseil. Et ça, cette délib, quand elle passera, j'espère que vous la voterez. Qui est pour conclure, le périmètre pour non, conclure, non, 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 ça va, non, vous, vous savez mots. Que c'est le maire qui conclut. Oui, et non, voilà, mais juste mais donc, pour, juste pour terminer allez-y. Sur ce dossier, j'invite les personnes qui nous écoutent à venir samedi matin à la réunion de l'association Corbeil-Essonne Environnement sur ces dossiers-là. Très bien. Je pense qu'on va apprendre des choses très intéressantes. Super. Ouais. Merci beaucoup pour cette annonce. Eh bien, qui est contre ce périmètre ? Qui s'abstient ? Monsieur Raymond. Contre ? Contre ? Très bien. Tous les autres sont pour. Merci. Frédéric Piau. Allez, il nous reste quelques délibérations. Alors, oui, bonsoir à tous. Alors, je vous propose une délibération sur un marché d'entretien et de maintenance des fontaines ornementales se trouvant dans l'espace public. Donc le marché arrive à échéance prochainement. Et donc une nouvelle procédure de consultation des entreprises a été lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution du marché public pour l'entretien et la maintenance des fontaines ornementales à l'entreprise CCA Perrault située à Montigny-lès-Cormeilles pour un montant de 15 090 euros hors taxe, soit 18 108 euros TTC pour la maintenance préventive annuelle et un montant maximum annuel de commande de 50 000 euros hors taxe pour la maintenance curative. Pour mémoire, les 4 fontaines concernées sont celles de l'hôtel de ville, juste devant, celles se trouvant avenue de Serge Dassault, au rond-point Paul Vaillant Couturier et avenue d'Arblay, en allant vers la gare à partir d'ici. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non. Non. Allez. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Vote à l'unanimité. Autre vote qui devrait être unanime. Vas-y, l'éclairage du stade Robinson. Alors là, effectivement, on en a déjà parlé tout à l'heure, Reynald et aussi Oumar. Ça concerne des travaux relatifs à la mise en place d'éclairage au stade Robinson. Donc effectivement, l'éclairage du stade était en très mauvais état et présentait même un risque pour la sécurité des utilisateurs. Et depuis quelque temps déjà, ça réduisait les usages. Donc la ville a lancé une procédure adaptée pour l'attribution d'un marché public de travaux. Sur l'ensemble de l'éclairage. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution de ce marché public à l'entreprise Eiffage Energy System IDF, située à Corbeil-Essonne, pour un montant de 310 937,45 euros hors taxe, et d'autoriser le maire à le signer. Y a-t-il des questions ? Non. Non. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Très bien. Alors, encore toi, Frédéric. La délib suivante. Produits anti-tag et traçage pour les services de propreté urbaine. Ouais. Alors, c'est... Ouais.
Donc là, effectivement, c'est pour fournir des produits aux services pour nettoyer les tags et entretenir et effectuer des traçages, par exemple, sur les terrains de sport, notamment. Donc cet appel d'offres comportait trois lots. À noter que le lot numéro 3 relatif à la fourniture de produits pour traçage permanent au sol et autres est infructueux. Il sera donc relancé selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution des lots 1 et 2 de ce marché public avec l'entreprise Dalta SA située à Montpezat de Quercy, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les accords cadres correspondants. Y a-t-il des questions ? Très bien. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Frédéric. C'est un plaisir d'aller avec toi, rencontrer les habitants pour... Non, c'est vrai, je vous dis ça, il n'y a rien de chaotique là-dedans. La rue Louis Joyeux, chemin du CGB... On va voir les gens, on les écoute. Un mois et demi après, on revient et tu annonces des mesures pour améliorer la vie des habitants dans leur quartier. Merci pour ton boulot. Frédéric Bourges. Oui, bonsoir. Donc, la prime 2021, donc, c'est une prime qui s'inscrit dans le cadre du régime indemnitaire actuel qui avait été instauré en 2007. Nous avons déjà délibéré le 17 novembre 2021. Le conseil municipal avait approuvé donc l'attribution de cette prime pour l'année 2021. Nous vous proposons donc un complément indemnitaire au titre de la prime 2021 qui serait versée au mois de mai 2022. Et donc cette prime devra faire l'objet, y compris qui s'intégrera dans l'ensemble des discussions que nous aurons dans les prochaines semaines pour comment elle sera intégrée et discutée dans le cadre du nouveau régime indemnitaire du RIF7. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? C'est assez classique. Tout le monde est pour. Merci Frédéric. Merci ensuite, la création d'un poste et mise à jour du tableau des effectifs. Oui, donc peut-être dissocier, j'insisterai particulièrement sur le fait qu'il y a tout d'abord la création d'un poste à temps complet de directeur, directrice de l'animation de la vie sociale des quartiers. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment une création, je pense que c'est tout à fait important de le souligner parce que ça s'inscrit maintenant dans cette volonté d'avoir une direction à plein temps sur ce poste qui a déjà été évoqué tout à l'heure. Les autres modifications qui sont apportées par le tableau des effectifs concernent essentiellement des mouvements, soit dus à des concours, des changements d'affectation, mais ça, ce n'est pas des créations à proprement parler de postes. Yes. Voilà, création d'un poste. Donc, qui a des remarques ? Alors, vous avez le descriptif très détaillé, d'ailleurs, fiche de poste de le directeur ou de la directrice de l'animation de la vie sociale des quartiers. Des questions ? Tout le monde est pour. Merci Frédéric de renforcer notre administration. Michel Noy, la tarification des accueils périscolaires. Oui, afin de répondre aux exigences de la Caisse d'allocation familiale de l'Essonne et de garantir l'exactitude des déclarations et bilans qui leur sont envoyés par les services, la commune doit dissocier la tarification des accueils préscolaires d'une part et postscolaires d'autre part. Cela engendre la modification du mode de tarification des accueils périscolaires. À ce jour, la tarification est basée sur un forfait journalier qui ne permet pas de facturer en scindant les deux temps d'accueil. Cette nouvelle tarification répondra au plus juste aux besoins des familles et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022. Il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver les nouvelles modalités de tarification pour les accueils périscolaires selon le tableau présenté dans la note explicative. Tout le monde est pour ? Tout le monde est pour. Merci Michel. Ensuite, l'approbation des conventions cadres de partenariat locaux municipaux. Oui, la commune de Corbeil-Essonne souhaite mettre en place un partenariat avec les associations et l'éducation nationale afin de mettre en place des activités sportives et culturelles dans le cadre de la cité éducative de Corbeil-Essonne. Il est d'ailleurs proposé au conseil municipal d'approuver les conventions cadres de partenariat et de mise à disposition des locaux municipaux entre la commune de Corbeil-Essonne à conclure avec les partenaires associatifs et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions à intervenir. Tout le monde est pour ?
Merci Michel. Les frais d'écolage. Bien, c'est une délibération annuelle. Hein. Les dépenses liées aux frais de fonctionnement des écoles primaires, maternelles et élémentaires constituent une dépense obligatoire pour toutes les communes. Afin de fixer la participation des communes de résidence de certains enfants scolarisés sur le territoire de Corbeil-Essonnes aux frais de fonctionnement des écoles primaires, notamment pour ceux scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire ULIS, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant des frais d'écolage pour l'année scolaire 2021-2022 à 1528 euros pour un élève scolarisé en maternelle et à 749 euros pour un élève scolarisé en élémentaire. Tout le monde est pour ? Merci Michel, merci aussi pour ton boulot. Rénal, Jourdain, plusieurs délibérations. Oui, la première, mise à disposition à titre gratuit du gymnase de Mont-Conseil au profit de l'association Sagacité. C'est une association qui propose des actions sportives, sociales et culturelles. Donc là, ça s'inscrit dans le cadre de ces actions sportives. Depuis, je vous fais la présentation, depuis de nombreuses années, la commune de Corbeil-Essonnes apporte son soutien au tissu associatif local, notamment par le biais de la mise à disposition à titre gratuit d'équipements sportifs et de locaux communaux. Afin de développer et de favoriser l'insertion des jeunes par la pratique d'activités physiques et sportives, l'association Sagacité a sollicité auprès de la commune la mise à disposition d'un équipement sportif. Vous avez le détail des créneaux horaires demandés dans la convention. Il convient pour cela de fixer les modalités de cette mise à disposition dans le cadre d'une convention dont le projet est annexé à la délibération figurant dans votre dossier. Au vu de ce qui précède, le conseil municipal est invité à approuver la convention de mise à disposition précitée. Y a-t-il des questions ? Tout le monde est pour ? Merci Rénal. Et comme tous ceux qui suivent ont vu que tu avais oublié la 9.1. Eh bien, je reviens sur la 9.1. Voilà, c'est pas grave. Ouais. Donc, fixation on a voté des tarifs, la 9.1, c'est autre chose. Sportifs. La 9.2, ça concerne les établissements scolaires privés hors contrat. Ouais, c'est la 9.1, mais c'est pas grave, vas-y. Oui. La 9.1, pardon. Ouais. On va y arriver. Donc, établissement scolaire privé hors contrat, ça signifie éventuellement des écoles confessionnelles, mais pas que. Ça peut être aussi des établissements adeptes de pédagogie alternative, tels Steiner ou Montessori. Dans le contexte actuel, dans l'actualité, il y a une grande enquête qui a été lancée par le Comité national d'action laïque, le CNAL, sur la base de la consultation des rapports d'inspection dans ces établissements. Auparavant, ces rapports d'inspection n'étaient pas publics. Là, on a des données un petit peu... Ça donne un éclairage. Et notamment, on s'aperçoit que pour les rapports qui ont pu être consultés, on a quelques matières qui peuvent être occultées, notamment, je pense, aux sciences de la vie et de la terre, notamment les cours sur la reproduction, mais pas que, l'art, la musique, l'EPS, etc. Et donc, ce qui nous intéresse particulièrement là, dans le cadre de cette délibération, c'est l'EPS, puisqu'on milite pour que tout le monde puisse avoir une pratique physique et sportive. Les établissements hors contrat ne sont pas autorisés à recevoir de l'argent public. Or, la mise à disposition d'un équipement communal s'apparente à une subvention en nature, d'où la mise en place d'une tarification. Voilà, il y a des enjeux importants, notamment pour la démocratisation de la pratique physique et sportive des filles, mais pas que, plus largement pour l'acculturation de nos jeunes à cette pratique physique et sportive. Au regard des nouveaux besoins pour l'utilisation des équipements sportifs communaux, il convient de fixer des tarifs pour les établissements scolaires privés des premiers et deuxième degrés hors contrat. Il est dès lors proposé au Conseil municipal de modifier la délibération du Conseil municipal en date du 17 mars 2003 et d'approuver les tarifs détaillés dans la notice explicative qui seront applicables à compter du caractère exécutoire de la délibération. Y a-t-il des questions ? Non. Tout le monde est pour. Merci, Rénal, mise à disposition mutualisée du gymnase des Hauts-Tarterets. Depuis de nombreuses années, je ne vous fais pas le paragraphe que je vous ai lu pour Sagacité. Là, il s'agit des associations Sport pour tous, Tremplin Foot et Zodiac, qui opèrent principalement dans le quartier des Tarterets, et donc particulièrement dans le gymnase des Hauts-Tarterets. Ce qui est proposé, c'est une mise à disposition mutualisée, sous forme d'une convention qui définit les responsabilités, les droits et obligations de chacune des parties. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver cette mise à disposition et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante. Voilà.
Si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau de cette administration, je les invite à se manifester et à se retirer pour l'étude et le vote de ce point. Tout le monde est pour. Merci à travers... Attends, j'ai quelque chose à dire. Ah, vas-y, vas-y. À ça. Bonsoir à tous. En tant qu'élue référente du quartier des Tarterets, je suis ravie de signer cette délibération de convention d'occupation. Cependant, quand on parle du gymnase des Hauts-Tarterets, on ne peut pas parler de ce gymnase sans évoquer l'association Sport pour tous, Cœur de la Street. Pour la petite histoire, ce gymnase était voué à la destruction dans le cadre de l'ANRU, laissé à l'abandon par l'ancienne municipalité. Eh bien, il y a des citoyens engagés qui se sont organisés pour mettre du cœur, pour remettre de la vie dans ce gymnase en proposant des activités sportives de bonne qualité, vraiment parce que j'en ai pratiqué, donc je sais de quoi je parle. Et par ailleurs, fort de ce constat, lorsque nous avons repris les manettes et la gestion de cette ville, la décision de garder ce gymnase a mûri. Donc cette association, elle a quand même permis à des mamans, à des femmes du quartier, des quartiers populaires d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des femmes des Tarterets, il y a des femmes de tous les quartiers de la ville qui viennent pratiquer le sport avec cette association. Donc c'est quand même un vrai défi qui se sont lancés et qui réussissent d'ailleurs. Et aujourd'hui, cette association, elle contribue énormément à l'émancipation de la femme, de la jeunesse. Donc c'est vraiment une belle association. Cependant, j'ai comme le sentiment que cette association est mal à l'aise, mal accompagnée et mal soutenue. Je souhaite, de ce constat, je souhaite qu'en matière de politique associative, que nous montions en plus en puissance sur le suivi et l'accompagnement de ces associations qui ne sont malheureusement pas des technocrates. Donc je sollicite l'indulgence de tous mes collègues élus et je souhaite être plus associée concernant toutes les décisions relatives au quartier des Tarterets. Voilà. Merci à ça. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions ? Des questions ? Moi, je souhaite souscrire à ce que dit Assa, c'est-à-dire que il y a les élus des quartiers qui bossent, qui ont une connaissance de la vie du quartier. Il y a des associations qui ont des pratiques nouvelles, voilà, au cœur de la street. C'est pas, je peux donner d'autres exemples, c'est pas la GR, c'est pas le tennis de table, c'est d'autres pratiques nouvelles, avec des individus qui se sont pris en main pour apporter des pratiques sportives à des publics qui n'en faisaient pas et qui, sûrement sans eux, n'en auront jamais fait. Donc il faut à la fois prendre en compte ça, rentrer dans les clous de convention aussi, hein, ceux qui en parlent, des individus pas toujours faciles, parce que voilà, il y a s'approprier des lieux, développer des choses qui sont vraiment positives, et puis en même temps rentrer dans un cadre qui n'existait pas forcément avant. Et il faut que les choses soient cadrées, des questions de responsabilité, d'assurance, d'utilisation de locaux. La convention, c'est ce que tu dis à ça, elle permet ça. Et après, voilà, moi je remercie aussi Rénal, qui a jamais pratiqué ce type de sport-là, comme ça, dans des gymnases, mais qui a d'autres pratiques, comme maire adjoint au sport, de prendre en compte à la fois ces pratiques nouvelles, en 22 mois, de les remettre dans des clous avec des conventions. Et le message d'Assa, je l'entends comme... voilà, quand on intervient, il y a des vies de quartier qui ont leur vraie vie, avec des associations et tout, et on a encore du travail à faire, tous, y compris moi, pour que c'est la prise en compte de ces assos, leur accompagnement, et je le dis sans démagogie, parfois c'est pas facile, hein, et ben il faut qu'on fasse tous des efforts pour s'aider à s'accompagner et que tout le monde s'y retrouve. Et sûrement, à travers cette convention, moi, je retiens aussi de ce que tu as dit à ça, que la plus grosse victoire, c'est que ce gymnase ne sera pas rasé. Et il aurait dû être rasé. Donc ce n'est pas chaotique, ça, mais c'est un gymnase de plus dans le quartier des Tarterets en 22 mois. Merci à tous les élus qui ont contribué à ça. Tout le monde est pour ? Yes. Merci pour vos interventions. Non, Madame Louz. Contrat de relance du logement entre l'État... La communauté d'agglo, Grand Paris Sud, Seine-Essonne, Sénart et les communes volontaires.
Pour l'année 2022, le dispositif d'aide à la relance de la construction durable évolue en faveur d'un dispositif de contractualisation recentré sur les territoires tendus. Afin de soutenir davantage les territoires où les besoins au logement sont accrus et où la dynamique de relance est à renforcer en ciblant des projets de construction économes en foncier. Le contrat de relance du logement doit permettre aux communes volontaires de bénéficier d'une subvention de 1 500 euros par logement, avec un bonus de 500 euros en cas de transformation de bureaux en logement, dont la programmation est liée à toute autorisation d'urbanisme, créant plus de 2 logements délivrés entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, et sous condition d'une densité établie supérieure à 0,8. Ce contrat doit être signé entre l'État, l'intercommunalité et les communes volontaires situées dans les zones de tension du marché immobilier local. Le montant définitif de l'aide calculé à l'échéance du contrat est déterminé sur la base des autorisations d'urbanisme effectivement délivrées en cours de la période précitée. En revanche, l'aide ne sera pas versée si la commune n'a pas atteint son objectif de production de logements. La programmation actuelle de logements met en évidence qu'un objectif de 266 logements peut être fixé par la commune de Corbeil-Essonnes. L'aide prévisionnelle est estimée à 399 000 euros. Il est dès lors proposé au conseil municipal de valider la programmation prévisionnelle du contrat de relance du logement et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué à engager les discussions avec les signataires et à signer le contrat à l'avenir. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Tout le monde est pour. Merci à vous. Merci Sophia aussi. Monsieur Segura, Artuti. Oui, ben, du coup, on a un peu vendu la mèche tout à l'heure. On a déjà parlé deux fois, mais c'est bien. Du coup, il s'agit de l'approbation de la convention de partenariat avec le fonds de dotation Artuti afin de favoriser le développement de projets culturels et artistiques à Corbeil-Essonnes. Donc, le fonds de dotation Artuti a pour objet de développer, promouvoir et valoriser l'art contemporain, la création artistique et l'action culturelle dans l'espace public, sous toutes ses formes et dans tous les domaines d'expression. La commune de Corbeil-Essonnes souhaite s'inscrire dans la continuité de cette démarche pour maintenir et développer une action culturelle ambitieuse sur son territoire. Le fonds de dotation Artuti a proposé dans ce cadre à la commune de Corbeil-Essonnes de se rapprocher des acteurs culturels de la ville pour identifier les actions qu'il serait susceptible de financer conformément à son objet et à son fonctionnement et à mobiliser du mécénat d'entreprise. Les bénéficiaires de ce fonds pourront être la commune de Corbeil-Essonnes ou les associations relevant de la loi 1901, intervenant au bénéfice des Corbeil-Essonnois ou intervenant sur le territoire communal. C'est dans ce contexte que la commune de Corbeil-Essonnes et le fonds de dotation Artuti ont souhaité conclure la convention de partenariat dont le projet est annexé à la délibération figurant dans votre dossier, dans lequel sont précisés les éléments de cette collaboration. Donc je vous prie de bien vouloir délibérer. Donc, y a-t-il des questions ? Juste préciser que c'est vraiment une délibe, moi, qui me fait plaisir, parce que ceux qui voudront construire à Corbeil-Essonnes, il faudra qu'ils payent. Il faudra qu'ils payent. Ça ira ou à des sponsors. Il faut qu'on travaille mieux, parce que il faut qu'on aide les clubs sportifs, parce que c'est en fait des dons qui sont faits des entreprises directement au club sportif, ça passera pas par Artuti. Mais pour ce qui est culture et art, ça passera par Artuti. Et si vous vous rappelez la charte logement qu'on a votée ici, je le dis d'ailleurs, elle ne sera pas signée ce vendredi parce qu'on veut faire quelque chose, on veut se donner plus de temps. La charte logement, elle sera signée en grande pompe ici avec des dizaines de promoteurs, d'architectes le 13 mai. On a regardé ça, ce serait le 13 mai. Et dans la charte logement, quand tu signes la charte logement, il y a Artuti dans la charte logement. Et donc voilà, c'est de l'argent privé qui va aller à des initiatives culturelles dans la ville. Tout le monde est pour, j'imagine. Et on a, enfin, voilà, oui. On pense que ça va permettre aussi d'augmenter encore l'impact de nos actions. Et ça va permettre, comme on l'a fait pour l'œil urbain. Notamment comme on l'a fait pour l'œil urbain pour les 10 ans, mais du coup, ça peut se pérenniser. Et puis, c'est vraiment. Il y aura d'autres initiatives. De bonnes occasions
De bénéficier de ces fonds, merci. Merci Oscar, tout le monde est pour, merci. Monsieur Jourdain, avant-dernière délibération. Dernière pour moi, fixation du tarif de mise à disposition de certains équipements sportifs communaux au profit d'associations à l'occasion de manifestations cultuelles ponctuelles et approbation de la convention cadre de mise à disposition des locaux. Alors, des associations sollicitent la commune de Corbeil-Essonne pour la mise à disposition d'équipements sportifs communaux à l'occasion de manifestations cultuelles. Nous sommes dans le cadre de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation des églises et de l'État, qui, combinée à la Constitution, définit le principe de la laïcité de la République. Ce qu'il faut comprendre avant tout, par rapport à cette loi, c'est qu'il s'agit d'une loi de liberté. La laïcité n'interdit rien, mais fixe un cadre. Je vous donne l'article premier. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Et l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Il s'agit donc véritablement d'un art du vivre ensemble, et c'est le sens de cette délibération. Il est proposé au Conseil municipal de fixer à 7,20 € de l'heure le tarif de mise à disposition des 5 gymnases, ainsi que des stades Mercier et Robinson, aux associations qui en font la demande pour des manifestations cultuelles ponctuelles, étant entendu que les prestations de gardiennage et de nettoyage de l'équipement seront à la charge des associations. Il convient également d'approuver la convention cadre de mise à disposition des locaux correspondantes et d'autoriser M. le maire à signer les conventions à intervenir. Donc ça nous permet de respecter la loi et de répondre aux besoins légitimes qui sont faits pour des manifestations cultuelles et donc les récentes que nous avons reçues. Y a-t-il des questions ? Juste une remarque quand même, parce que ça passe à la fin comme ça. C'est vraiment une délibération dont on peut être fier. C'est que ça nous permet d'abord souhaiter un bon ramadan à nos amis de confession musulmane qui font le ramadan et qui nous ont sollicité. Il y a un travail vraiment fin qui est fait par tous les élus, Rénal, évidemment, en l'occurrence là, le cabinet du maire, qui permet d'avoir d'excellentes relations avec la communauté musulmane à Corbeil, de leur permettre d'être dans des lieux, parce que c'est ça la délib, en l'occurrence, je le précise, pour pouvoir prier pendant ce mois du ramadan dans des lieux et en même temps respectant la loi, c'est-à-dire qu'on a trouvé un compromis et qui satisfait tout le monde. Voilà. Merci Rénal. Jacques. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette délibération. Il n'en reste pas moins vrai qu'elle pourrait s'appliquer à toutes les religions. Donc, qui s'exercent sur ce territoire. Il y a marqué cultuel, là. C'est le cas, pour tout le monde. Tout à fait. Je voulais simplement vérifier qu'on peut imaginer toutes sortes de manifestations culturelles sur tous ces terrains ou ces équipements. Il faut le souligner, ça pourrait être les GMJ, tout ce qu'on voudra. Enfin, il y a toutes sortes de religions dans ce territoire. Et je trouve ça extrêmement... Ma voisine disait le pape François. Je ne pense pas qu'on en soit là, on n'a pas la place, mais... Non, je pense que c'est important de souligner que l'utilisation des terrains communaux, des équipements communaux par les religions pour des manifestations cultuelles et de rassemblement fait partie de la laïcité. Si le pape François est à des connexions particulières, veut venir à Corbeil-Essonne, il sera le bienvenu, Jacques. Je parlais de cela pour l'encyclique écologique qu'il a écrite et qui mérite d'être lue. Très bien. Tout. Merci à vous. Tout le monde est pour. Merci Rénal. Une dernière, excusez-moi. Puis après, j'ai deux, trois petites dates à donner. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric, tu veux... Vas-y. Oui, alors bon, j'en profite parce qu'il y a aussi des gens, mais chers collègues... Et c'est pas aussi... fini, il y avait une délibre encore. Hein. Non, non. Ah, pardon. Oui, mais oui, après, avait, alors, voilà. Excusez-moi. Voilà, je me rave. Non, c'est juste une note de présentation, je le dis. J'informe que... On a des tarifs donc pour la publicité dans le magazine municipal et on fixe les tarifs. Vous avez tout ça. On a de plus en plus de demandes. Ce magazine va être de plus en plus lu parce qu'il va être de mieux en mieux distribué. Il y a encore un petit effort à faire. Et voilà, il y a de la pub dedans. Vous avez les tarifs. Voilà, j'espère que tout le monde est pour. Merci. Est-ce que tu peux dire un petit mot ? Je donne des dates importantes après, excusez-moi. Vas-y, Frédéric. Oui, alors c'est vraiment des... Mais c'est, ça aussi des répercussions beaucoup plus larges. C'est que vous avez remarqué que pour cette séance et la dernière et aussi celle-ci, il y avait donc des gobelets en carton et des carafes en verre. Donc c'est bien que c'est aussi un système d'autogestion qui fasse que l'ensemble des élus pour ce conseil municipal, quand on a fini la séance... On regroupe l'ensemble des gobelets, des carafes, pour pas que ce soit des agents communaux qui se tapent le boulot. Donc on est un peu autogestionnaire et on assume nos responsabilités. On ferme les micros,
on les désucrise et on ramène les petites machines en bois comme Très bien. Qui nous identifient auprès des agents. Merci. Donc c'est un message parce que ça fait partie aussi de la citoyenneté écolo que de pouvoir aller dans ce sens-là. Merci à vous. Merci. Alors, il n'y avait pas de questions... Tu as notre bénédiction. Bon. Il n'y avait pas de questions de l'opposition. Est-ce à croire que leur départ était prémédité et que la remarque de Sylvain n'y serait pour rien? On ne sait pas. Par contre, le prochain conseil municipal, attendez, j'ai des dates, est le 18 mai, celui d'après le 29 juin. Peut-être y en aura-t-il pour des questions de PLU, on verra en début juillet, on verra. Mais vous avez les deux dates. Il y a la conférence de Laurent Carilla demain, 18h30-45, sur les addictions. Et il y a une date dans le dernier mag qui est reportée. La réunion publique pour le PLU ne sera pas le 8 avril, mais le 19 avril à 18h30. Petite précision, mais on communiquera bien sur tout ça. Merci pour votre boulot. Merci à tous.